Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, pas de jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler clavier. Le but étant au final de faire un clavier moi-même. Un clavier un petit peu perso, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ça va être un stream technique, comme j'ai déjà fait par exemple sur l'installation de Lineage sur un smartphone et une tablette. Et voilà, en même temps on s'écoute des petites musiques de jeux vidéo quand même, on est dans le thème quoi. Et Blacky est affligé parce que je viens de mettre le fond vert, et je pensais que le fond vert déconnait parce que il y avait une marque grise, mais non, c'était l'ascenseur du navigateur. J'ai pas l'habitude de montrer mon navigateur, c'est pour ça. Voilà. Donc ouais, pour commencer, petite mise au point. Je sais pas si, a priori, ouais, vous savez qu'il y a différentes dispositions de clavier qui existent. Les deux principales étant, la principale étant le QWERTY et des illustres débiles que nous sommes, les Français. Avons notre truc à nous qui est l'AZERTY, donc qui est quasiment pas utilisé en dehors de la francophonie. Et même de la France, parce que y a des francophones qui n'utilisent pas le clavier AZERTY. Donc voilà. Et en fait, ces dispositions de clavier là, à l'origine, sont faites. Alors voilà, on est sur la page bepo.fr. Donc il y a ces dispositions là, mais vous vous doutez évidemment qu'il existe d'autres dispositions. Rien que parce qu'il y a des langues qui n'utilisent pas notre alphabet. Et donc, évidemment, il y a d'autres dispositions de clavier qui existent. Mais voilà, la principale étant évidemment le QWERTY. Et chez nous, petits français, nous utilisons principalement l'AZERTY. Tiens, faudrait que je regarde, ouais. Donc ces dispositions-là sont faites pour nous gâcher le travail. Donc voilà, j'étais en route. Bonjour à tous. Ça va être cool ce tuto, je vais continuer mon travail, moi. Génocide arménien pour les troisièmes. Fun. Ah oui. Oh, bah... Oui, effectivement, ouais. Voilà, et donc en fait les dispositions QWERTY et AZERTY sont faites pour que la frappe soit longue. Je m'explique. Il fut un temps où les claviers tels que nous les connaissons n'existaient pas. Et où le moyen de taper du texte, c'était les machines à écrire. On voit par exemple, là, on a une magnifique photo de machine à taper. Sauf que sur les premiers claviers, ils avaient... Alors, je sais plus, je crois qu'il me semble que c'est... sur les tout premiers claviers, c'était de l'ordre alphabétique. Et sauf que les personnes qui ont commencé à taper sur ces premiers claviers commençaient à être très très douées et commençaient à taper extrêmement vite. Le jeune signe amérindien, non mais désolé, je sais pas lire, hein. Vraiment je saurais jamais lire. Ça y est, il commence à lire de travers 10 minutes de stream. Ah, je m'en doutais qu'elle allait me le balancer elle. J'adore les machines à écrire. Mais donc, ouais, il y a les personnes qui bossaient dessus toute la journée ont commencé à taper excellemment vite dessus. Et vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donnait avec les machines à taper. Les bras s'entrecroisent et se bloquent. Ils s'entrebloquent. Enfin, ils s'entrebloquent, j'allais dire entre eux, mais s'entrebloquer. Ouais, ils emmêlent les touches. Il a fallu faire plus vite. Mais non. Mais non, justement, il a fallu faire moins vite. Plus, moins. Moins, plus, plus, plus. Et ça posait évidemment des problèmes, parce qu'à chaque fois, obligé de débloquer les trucs. Plus, moins, moins, moins. Alors, plus, moins et moins, ça fait plus. Et moins et plus, ça fait moins. Et plus, ça fait plus. D'où problème. Et c'est pour ça que les dispositions QWERTY et AZERTY sont nées. C'est pour essayer d'espacer le plus possible les touches qui interviennent fréquemment ensemble. Promis, j'ai pas bu. Oui, oh, ça, ils disent tout ça. Et donc, en fait, ces dispositions-là sont vraiment faites pour que la frappe soit rallongée. Enfin, pas forcément que la frappe soit rallongée, parce que on peut taper très vite avec ces dispositions-là. Mais pour que les lettres qui sont...
souvent des couples dans les mots soient espacés, donc qu'elles puissent pas en fait se croiser justement au niveau de la machine à taper. Ce qui fait que c'est pas forcément très optimal. Ça n'a pas été pensé pour être optimal en fait, au contraire. Et viennent en plus de ça, donc voilà, c'est des... Et évidemment, quand on est passé au clavier, donc il n'a plus ces petits, ces petits bras qui viennent frapper la page avec de l'encre, et bah, vu que tout le monde était habitué en fait à ces dispositions-là qui existaient, on les a gardés. Et évidemment, ça a posé d'autres problèmes, parce qu'il y avait moins de caractères qui étaient disponibles sur les machines à taper, on a rajouté des caractères sur les claviers. Un clavier actuel, c'est 105 touches. Et il y a des spécificités par pays. Par exemple, l'anglais n'a que peu d'usage d'accent, voire pas du tout. Sauf quand c'est des mots qui sont récupérés d'autres provinces, typiquement Cathay, qui vient de chez nous. Hein, donc là, ils utilisent un accent. Et encore, je ne sais même pas. D'ailleurs, si quelqu'un était anglophone dans l'assistance, pourrait-elle nous dire. S'ils utilisent l'accent sur le quand ils disent café, je suis même pas sûr en fait que l'accent soit utilisé chez nos amis anglo-saxons. Bref, alors que nous le et café, le lieu oui non mais oui évidemment, oui non mais je parlais du lieu, mais elle le négligeait, elle le négligeait effectivement aussi. Résumé, mais est-ce que non mais le truc c'est est-ce qu'ils mettent l'accent en fait? Mais enfin, pas l'accent français, hein, mais est-ce qu'ils mettent le « et » avec accent? C'est ça que je veux dire. L'accent aigu. Déjà vu, bah ouais, évidemment. Mais oui, ok. Ils mettent l'accent. Donc voilà, ça leur arrive de temps en temps d'avoir besoin d'un accent. Déjà vu, rarement les accents. Ok. Bon, comme nous, hein, on les met de moins en moins, hein. Et il y a des lettres complètement connes. En accès direct, par exemple, sur l'AZERTY, vous avez le U, accent grave. Alors, est-ce que vous connaissez le seul mot, et ce n'est pas une blague, on a une touche d'accès direct pour une lettre qui n'est utilisée que dans un seul mot. Donc le U accent grave, c'est utilisé pour un seul mot. Et ce mot, c'est OU. Donc on a sur nos claviers français des accès, canotes de OU. Hein? Quoi canotes? Non, connotes. Connotes de OU. Ça y est, je commence à mal lire. Hein. Oh là là, j'ai du mal à lire. Et donc, on a clairement sur le clavier AZERTY, Kono. Kono de ouf. ça veut rien dire de plus. Ah, je comprends rien, Blacky. Kono? C'est-à-dire quoi, Kono? Alors là, vous... Ah, le Kono. Ah d'accord, Kono de où? D'accord, ok. Ça veut dire couillon. Ah. Kekonyo. Ah, c'est peut-être le Konyo, non? Bref. Bref, des... Est-ce que j'ai une photo d'AZERTY? Là, bon, on va chercher, regardez. Hop. Paf. À quoi tu ressembles, AZERTY? L'AZERTY. Ah bah disons. Ah, j'allais dire non, c'est de l'orthogonal, mais non, c'est pas de l'orthogonal en fait, c'est des. Est-ce qu'il y en a un qu'on voit bien? Allez, celui-là a pas l'air d'être trop dégueu. Hop. Ah bah voilà, lui il parle de comment passer de clavier QWERTY à AZERTY, justement. Et donc, paf! Un clavier AZERTY en vaut deux. Non, après, je l'écris peut-être mal, d'ailleurs. T'as envoyé un dico France. Franc-comtois. D'accord.
Et donc voilà, donc on a le U avec accent qui est là. Par contre, le... essayez de faire un E majuscule avec Windows par exemple, et c'est une galère pas possible. Parce que quand vous appuyez sur Shift et la touche accentuée, et bah vous obtenez le 2, vous obtenez pas le E. C'est de la merde. Les parenthèses, tout ça, sont pas par pair. Ce qui est super galère. Par exemple, là, vous avez la collade ouvrante et la collade fermante. Elle est de l'autre côté. Vous avez des trucs qu'on n'utilise jamais qui sont en accès direct et des trucs qui pourraient être utiles qui ne le sont pas, quoi. Par exemple, qui utilise régulièrement ce symbole-là ? Je ne sais même pas à quoi il correspond. Hein. À côté du dollar. Je vais peut-être agrandir. Hop, 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 hop. Vous voyez, à côté du dollar. Celui-là, on ne l'utilise jamais, hein, honnêtement. Mais voilà, il existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a ? Enfin, il y a des trucs, mais qu'on n'utilise même pas. Je me pose même pas la question. Ça, enfin, le truc de paragraphe, c'est pareil. Enfin, bon. Il y a plein de caractères sur un clavier AZERTY, c'est valable pour le QWERTY aussi, qu'on n'utilise pas. Et donc, des chercheurs se sont dit, il faudrait qu'on se débarrasse de ces dispositions de clavier pourries, qui nous pourrissent la vie, parce qu'elles ne sont pas optimales, et on va essayer de réfléchir à quelque chose qui soit optimal, et qui pourrait fonctionner avec un clavier de tous les jours, quoi. Et c'est là qu'est né le Dvorak aux États-Unis et qu'est né le Beppo en France. Et qui sont deux dispositions qui sont optimisées pour la frappe. Donc là, on est vraiment sur de l'optimal. L'histoire du signe paragraphe est peut-être liée à l'imprimerie, à l'histoire des journaux. Mais non, mais clairement, en fait. Mais c'est justement, on en vient au point. C'est des restants de vieux trucs qui ne nous servent plus. Mais qu'on conserve encore sur nos claviers récents. D'où bof. C'est daté tout ça, exactement. Et donc voilà, donc il y a eu le Dvorak en anglais et il y a le Beppo en français. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, on va mettre les touches qui servent. Alors, est-ce que vous... Enfin, la frappe dactylo, vous voyez, il y a des petits traits, là, sur les claviers. Des petits points. Et bien, c'est là, en fait, où vous devez placer vos index. C'est-à-dire que vos doigts, là, les quatre doigts, parce que le pouce est plutôt sur la barre espace. Et donc, vos index sont sur le F et le J en AZERTY, sur cette ligne principale. Et après, vous montez ou vous descendez les doigts en fonction de ce que vous voulez taper. Ça, c'est la frappe dactylo. Et ils se sont dit, les lettres qui sont les plus utilisées, on va les mettre sur cette ligne-là, en fait, pour qu'on ait le moins besoin de déplacer nos doigts. Mais moi, le signe paragraphe, j'en ai besoin. Tu l'utilises quand ? Attendez, alors la caméra bouge un peu, mais c'est parce que Rabia n'arrive pas à trouver une manière de se poser dans son truc. Dans mes cours tout le temps. Non mais... Alors ouais, je pense savoir pourquoi tu l'utilises. Et est-ce que ça pourrait pas être remplacé par une puce dans ton traitement de texte ? Tu mets des puces qui s'appellent... Enfin, et dont le symbole c'est paragraphe. Et je pense que ça serait... C'est ça en fait que tu veux, quoi. Et... C'est un truc qui pourrait être remplacé par un autre symbole. Tu utilises le symbole paragraphe, mais c'est quelque chose qui pourrait être remplacé par un autre symbole potentiellement. D'ailleurs, dans le Beppo, je sais pas où il est le symbole d'ailleurs. Bref, on va regarder. Non, d'accord. Bon, je me trompe. Désolé. Et où il est le Beppo ? Il est où le Beppo ? Mais il est où le Beppo ? Hop. Donc là, je suis sur le site beppo.fr, hein, qui est la référence Beppo. Et voilà, et le Beppo, ça ressemble à ça. Hop. Est-ce que on peut avoir le clavier, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Non, bon, on va rester sur la première page. Et voilà, et donc vous voyez déjà, il y a un truc qui diffère, c'est que les voyelles... sont toutes à gauche.
ça permet de séparer les voyelles et les consonnes déjà. Donc vous savez que vos voyelles elles sont à gauche. Et il y a évidemment des consonnes. Alors vu que c'est pas. Vu qu'il n'y a pas autant de voyelles que de consonnes, évidemment ça ne marche pas aussi facilement. Donc il y a des consonnes à gauche aussi. Mais déjà vous savez que toutes les voyelles sont à gauche. Et la plupart des lettres accentuées utiles en français sont accessibles directement. Donc c'est par exemple, c'est pour ça que la disposition s'appelle le BEPO. C'est parce que le E par exemple est accessible directement via une touche. Le U, accent grave, est accessible via une touche de modification. Donc il faut appuyer sur Alt-G-R pour U pour l'avoir. Ce qui n'est pas éminemment compliqué, mais ça évite d'avoir une touche qui est gâchée juste pour cette lettre-là, qui ne sert que dans U, je le répète. Et les symboles qui vont par paire, sont regroupés sur des touches adjacentes. Typiquement, voilà, vous avez la parenthèse là ouvrante et la parenthèse fermante. Vous avez le inférieur et le supérieur. Vous avez... j'ai dit quoi, non? Les guillemets. Ouvrante, guillemets, fermante. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Le crochet ouvrant, crochet fermant. Ici, nous avons le slash et l'anti-slash. Nous avons l'accolade ouvrante, l'accolade fermante. Vous voyez? Tout ça, ça va par pair, et bah c'est sur des touches adjacentes, ce qui est super logique. Ici, nous avons le plus, le moins, le divisé, le multiplié, le égal, le pourcent. Le pour 1000 qui est sur la même touche, enfin, c'est juste super logique, quoi. Nous avons le arrobas qui est quand même pas mal utilisé maintenant, avec les adresses mail et tout, qui est accessible via une touche directe. Ce qui est assez intéressant, c'est marrant ça, comment on fait ça. Et est-ce que ton symbole paragraphe, est-ce qu'il est encore dispo quelque part, ton symbole paragraphe, là-dedans? Je suis en train de me demander. Je suis en train de le regarder. Bah ouais, il est là. En haut à gauche. Ah bah oui, faut que j'augmente la taille de... Paf, paf, paf. Ça va être mieux. Et donc, nous avons le symbole paragraphe, il est là. Donc il est sur... Il est sur quoi? Mage Alger. Donc Nope, il est sur le P. Non, sur le P, c'est le E commercial. Ah oui, non, c'est celui-là, ouais, exact. Ah oh, bah bien vu. Bon, après par contre, c'est pareil. Ah, il y a Blacky qui suit. Après, il y a des trucs super logiques aussi. Bon, là, on a le CCD. Le copyleft est sur le CCD, le copyright est sur le C normal. Le trademark est sur le T. Enfin, c'est... Il y a vraiment eu... Parfait quand tu zoomes. Ouais, bah, j'y avais pas pensé. Donc, on est vraiment sur quelque chose de super logique et de super réfléchi et qui s'abstrait de tout le bordel qui a pu être avant. Le BEPO a été standardisé, bah voilà. Dossier de presse sur l'organisation de la disposition BEPO par la FNOR. Ça a été officialisé vraiment en 2019. Jusqu'avant, c'était des travaux de recherche, tout ça. Bon, il existait des... le symbole sur la première touche est celui saut de ligne. Bien vu. Merci, tu vois, j'apprends aussi des choses, c'est ça qui est bien. Et donc ouais, voilà, c'était des travaux de recherche et tout, mais il y avait possibilité d'utiliser le BEPO. Alors voilà, après c'est pareil pour aux États-Unis et en Angleterre avec le Dvorak, et voilà, tout le monde y va un peu de sa sauce, parce que dans chaque langue, évidemment on n'utilise pas les mêmes lettres de manière aussi régulière. Par exemple le E en français, par exemple le W. Le W est quasiment pas utilisé en français. C'est pour ça que là, il est vraiment, vous voyez, dans un coin. on n'en veut pas, on s'en sert pas, donc on l'a mis dans un coin. La lettre la plus utilisée, c'est le E. Enfin, la voyelle la plus utilisée, c'est le E. Et donc, le E est sous l'index gauche. Et en fait, on y va avec les fréquences des lettres. Et donc, plus moins la lettre est utilisée, et plus elle va être vers l'extérieur, plus elle va être éloignée, en fait, déjà de la ligne principale. Et un autre truc super, super débile, sur l'AZERTY, le point. En AZERTY, le point n'est pas directement accessible. En AZERTY, il faut faire Shift
pour avoir le point qui est accessible. Là, dans Beppo, le point est directement là. Il est sous le E et il est accessible directement. Donc, il y a vraiment eu un travail de quelles sont la fréquence des lettres dans l'alphabet, quelles sont les lettres de fréquence, enfin dans les textes. Et on va mettre les lettres les plus utilisées sur la ligne principale et directement accessibles, et celles qui le sont moins, on va les écarter. Donc le W, par exemple, en français, est assez loin. C'est pas le cas en Dvorak. Parce que le W est beaucoup plus utilisé dans la langue anglaise. Ah, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un clavier spécifique. Ouais, mais du coup, moi je connais AZERTY par cœur pour les deux langues. Alors si je dois apprendre de nouveau, car je tape deux langues, je vais retaper deux langues dans un doc, là, franchement, autant rester sur AZERTY. Bah oui. Mais le problème, c'est que effectivement, il faut réapprendre le clavier. Alors ça peut être l'occasion. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, à titre perso, je suis passé au Beppo depuis peut-être 2 ans, je pense. Je reviens, j'ai oublié un truc à acheter dans la boutique en bas de chez moi. De retour d'ici 15 minutes, ça marche. Puis peut-être que tu te le feras livrer directement au pas de ta porte. Et donc, évidemment, faut réapprendre le clavier. Moi, j'y suis passé au Beppo depuis 2 ans. Mais ça permet aussi de faire table rase de tout ce que vous avez pu apprendre mal. Et pour l'anglais, pour moi, reviendra à repasser un autre clavier. Mais non, en fait, parce que tu peux quand même taper de l'anglais avec du Beppo. Ça n'empêche pas. C'est juste qu'il sera moins optimisé. Le Beppo est vraiment fait pour taper du français, mais il sera moins optimisé. Mais il n'y a pas de raison que tu puisses pas taper... Enfin, j'écris... aucun intérêt. Mais j'explique. La meuf est en train de me dire... En fait, c'est de la merde. C'est de la merde ce que tu dis. Je m'en fous, je me casse. Non. Alors effectivement, c'est long. Faut réapprendre tout. Mais la question, c'est aussi pourquoi aujourd'hui on apprend aux enfants un clavier AZERTY alors qu'on pourrait leur dire « Tiens, c'est très bien si tu tapes une langue. » Pas compris. C'est pas parce que... Non mais, faut te dire qu'aujourd'hui, l'AZERTY ou le QWERTY... Il est pas optimisé pour aucune langue, en fait. Donc, aujourd'hui... Donc, en fait, tu passerais d'un clavier qui n'est optimisé pour rien à un clavier qui est optimisé pour quelque chose. Donc, dans le meilleur des cas, t'es optimal. Dans le pire des cas, t'es déjà mieux que ce qu'il y avait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, tu connais ton clavier AZERTY par cœur. Donc, le réapprendre prendrait beaucoup de temps. En apprendre une nouvelle disposition prendrait beaucoup de temps, on est d'accord? Moi, ça m'a pris vachement longtemps. Mais, oui, tout à fait. Je parle pour nous, les yeuves. Mais, pour les jeunes, oui, en fait, c'est pour ceux qui commencent sur un clavier. Pourquoi, en fait, on leur balance encore de l'AZERTY alors qu'on pourrait leur balancer un truc qui est optimisé, quoi. Et donc, ouais, à titre perso, je me suis mis au Beppo et j'ai eu beaucoup de mal au début. Mais ça m'a permis de faire une chose. Ça m'a permis d'apprendre mon clavier. Alors, l'AZERTY, en fait, je le connais. Mais j'ai des mauvaises... J'ai des mauvaises manières avec l'AZERTY. C'est que je regarde mon clavier. En fait, je le connais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis tellement habitué depuis toujours à regarder mon clavier que quand je tape en AZERTY, je regarde mon clavier. Avec le Beppo, je l'ai appris en mode... En mode je regarde pas le clavier. Alors, est-ce que je vais pouvoir montrer? Merde. Ça va être chiant. Attendez, est-ce que je peux montrer comme ça? Oui, regardez, vous voyez? Hop là. J'ai pas beaucoup de câbles, alors je vais pas pouvoir le montrer. J'ai un clavier en fait où il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marquage. J'ai pas le nom des touches sur le clavier. Donc, j'ai été obligé de me faire chier à l'apprendre par cœur. Et, deuxième truc, je ne pouvais pas regarder mon clavier vu que de toute façon, même si je regardais mon clavier, il n'y a pas de marquage dessus, donc ça m'aurait servi à rien.
Donc j'ai vraiment appris ouais, en mode dactylo. Le Beppo, je le connais en mode... Alors ce qui est assez rigolo d'ailleurs, je l'ai vraiment appris mode dactylo, donc sans regarder, en regardant mon écran. Ça a un super avantage. Déjà, ça évite d'avoir le coup pété toute la journée à regarder votre clavier. Vous regardez bien sur l'écran. Et donc, bah, vous restez bien droit. Ça déjà, premier bon truc par rapport au fait de regarder son clavier quand on tape. Et deuxièmement, vous voyez tout de suite quand vous avez fait une erreur. C'est quand vous regardez votre clavier, donc vous pouvez vous rendre compte que vous avez tapé sur une mauvaise touche, ça j'en doute pas. Mais quand vous tapez en regardant votre écran, vous voyez tout de suite quand une erreur est faite en fait. Elle s'affiche. Elle s'affiche, donc vous l'avez quoi. Moi je regarde pas trop, j'avoue, mes collègues m'ont fait remarquer. Ouais, en même temps, tes collègues, c'est pas le même niveau après. Et donc, ouais, ça vous permet de taper sans regarder le clavier, en regardant directement votre écran, et donc vous êtes plus rapide quand vous voyez que vous avez fait une erreur, et il y a moyen de corriger. Voilà pourquoi je suis passé au Beppo, et pourquoi il est plus optimisé. Et donc, il y a l'AFNOR. L'AFNOR, c'est... Allez, j'arrête de commenter pour justement taper mon cours, mais je t'écoute. Et donc, il y a l'AFNOR, qui est un organisme en France qui est là pour standardiser, en fait, pas mal de choses. Et ils ont standardisé le Beppo. Donc, comme je disais, c'était juste des travaux, tout ça. Et l'AFNOR s'y est penché, a repris le Beppo et l'a validé. Et donc, maintenant, c'est devenu une norme. Donc, bah, on va voir qu'on va pouvoir y aller. Hop. On va aller sur le site de LDLC. Vous voyez, je l'ai tapé sans regarder mon clavier. Et là, c'est facile. Hop. C'est le Beppo. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il me semblait qu'ils en faisaient. Il me semblait que Logitech en faisait. Ah non, il fait de la LazerTy. Ah oui, il fait de la LazerTy Plus, mais ils font pas Beppo. Ah. Donc, l'AFNOR a validé le Beppo, l'a normalisé. Donc maintenant, les constructeurs, en fait, ont une base sur laquelle se baser s'ils veulent faire des claviers avec les touches Beppo. Mais ça pose le problème du faut réapprendre son clavier, tout ça, c'est compliqué. AZERTY+, justement, je vais y venir. Donc, faut réapprendre tout si vous voulez faire du Beppo, parce que tout est différent. Et donc l'AFNOR, en même temps qu'elle a validé le Beppo, elle a aussi normalisé l'AZERTY+. Et l'AZERTY+, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'AZERTY, donc globalement les touches restent à la même place, mais derrière, toutes les petites touches à côté, ils ont tout réorganisé pour que ça soit beaucoup plus logique. Donc en gros, vos touches AZERTY ne changent pas, vous pouvez toujours taper du texte, ça ne changera rien, mais à côté... Il y a plein de trucs qui changent. Alors, est-ce qu'on va avoir un... Il me faudrait un truc mieux que ça. Il est où? On va chercher du coup. AZERTY, AFNOR. AZERTY amélioré. Voilà, regardez ça. Gérer mes choix, tout refuser, merci. Donc là on a le Beppo. Voilà, il nous met les deux. Ils nous mettent les deux. Hop. Et donc vous voyez que bah, sur les touches, bah, c'est les mêmes. Hein. AZERTY hop, hop. Après là c'est les mêmes aussi. Là c'est les mêmes aussi, on est bien. Sauf que par exemple, je vous disais, le point, il n'est pas accessible directement en AZERTY actuel, enfin l'AZERTY traditionnel, voilà. Le point, il faut appuyer sur Shift pour pouvoir le déverrouiller. Et donc, bah, là, ils l'ont mis en accès direct. Donc, c'est la virgule en accès direct aussi. C'est le point d'exclamation et le point d'interrogation qui sont accessibles avec Shift. Vous voyez, un petit peu de logique. Les lettres qui vont par paire, enfin, les caractères qui vont par paire, typiquement. La parenthèse, bah voilà, ils sont côte à côte. Les crochets sont côte à côte. Les guillemets ouvrantes, les guillemets fermantes sont côte à côte. Vous voyez, il commence à y avoir de la logique. Derrière, on a enlevé le U, qui ne sert là que sur cette touche-là. On l'a viré. On a mis le slash et l'anti-slash, par exemple.
Et le U avec accent, il est renvoyé sur le, la combinaison Alt-GR et U. Les accolades ouvrantes et les accolades fermantes, bah paf, c'est plutôt cool, c'est pareil, elles sont côte à côte. Donc en même temps que le BPO a été normalisé, en fait, l'AZERTY Plus a été normalisé aussi. Donc il y a un AZERTY un peu modifié, le arrobas aussi devient accessible directement, plutôt que la touche carré. Qui utilise régulièrement la touche carré? Personne. Et ben voilà pourquoi. Enfin, voilà pourquoi. Hop, voilà, on l'a là, quoi. On a tous les accents qui sont sur les touches 1, 2, 3, 4, qui est quand même intéressant. C'est regroupé. Donc, il y a eu de la réflexion sur de la modification de l'AZERTY pour pas que ça soit non plus un truc délirant, mais derrière, il fallait faciliter un petit peu son accessibilité. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire du... Je l'utilise tous les jours, là, deux, moi. Le l'AZERTY traditionnel, bah oui. L'AZERTY traditionnel, justement, c'est l'AZERTY qui est utilisé... qui est... quasiment tout le monde utilise, en fait. En France. En France. Mais il y a deux ans, le nouvel AZERTY a été... Ah, la touche carrée. Ah, la 2. Ah, la touche carrée. Mais oui, mais toi, t'as un truc, voilà, toi, t'es un truc super spécifique. Alors après, sur le nouvel AZERTY, si je dis pas de bêtises, il suffit de faire accent circonflexe et 2, et tu te retrouves à avoir le carré, en fait, qui est fait. Il est où, l'accent circonflexe? Alors désolé, mais je le connais pas, hein. Le nouvel AZERTY, j'ai jamais utilisé. Vu que je suis directement au BPO. Hop. Non mais. Coucou Yoran. Mais tu avoues que pour toi qui l'utilises tous les jours, il y a combien de pourcentage de la population qui l'utilise jamais? C'est ça aussi, tu vois. En fait, ces nouvelles dispositions, elles sont pas faites pour plaire à tout le monde. Elles sont faites pour convenir à la plus grande majorité, en fait. Donc là dans le BPO qui est normalisé par l'AFNOR, il y a un truc, moi, qui m'emmerde, c'est que, par exemple, alors on fait pas souvent gaffe, mais il y a l'apostrophe et la guillemets simple. C'est pas les mêmes caractères, apostrophe et guillemets simple. Sauf que bah sur les claviers, voilà, globalement, souvent c'est confondu. On l'a sur le numéro 4, en fait. En fait, là, on l'utilise, le caractère sur le chiffre 4. On l'utilise comme apostrophe, ce n'est pas une apostrophe. C'est une guillemets simple. Et donc, dans dans le BPO qui est normalisé par l'AFNOR, la touche en accès direct, c'est l'apostrophe. Donc maintenant, moi, quand je tape, je fais des vraies apostrophes. Sauf que, dans l'informatique, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est la guillemets simple. Et donc la guillemets simple est moins accessible pour moi. Alors ça me fait chier, parce que bah, je dois faire une combinaison de touches, alors que avant, j'avais une touche accessible directement. Donc c'est un peu relou. Mais il y a des trucs qui peuvent être modifiés, en fait. Typiquement, après, tu peux dire, voilà, en fait, cette touche-là, je m'en sers pas, je voudrais que ça soit mon carré, et bah paf, ça fera le carré, quoi. Sur le clavier allemand, il y a une touche avec l'accent grave et l'accent aigu, et du coup, tu peux l'utiliser avec toutes les lettres. Ça sert d'apostrophe aussi. Exactement. Ça, c'est les touches, ça s'appelle les touches mortes. Et les touches mortes, en fait, à quoi ça sert? C'est que, bah, ça, c'est combiné. Bah, on l'a aussi en France, enfin, sur l'AZERTY. Sur l'AZERTY, tu fais accent circonflexe, E. Tu fais accent circonflexe, I. C'est d'abord, tu l'actives, et après, tu tapes une autre touche, et paf, ça va générer la combinaison des deux. Donc, effectivement, ça peut marcher. Et donc, je crois que accent circonflexe 2, ça doit faire le carré, je pense. Parce que souvent, en informatique, l'accent circonflexe, et puis un chiffre derrière, en fait, c'est pour dire la puissance. Et donc, bah, mais ça te permet aussi de faire, par exemple, le cube... Ou la puissance 7, par exemple. Et re-blacky. Donc c'est toujours possible. Ah bah tiens, l'accent circonflexe, il est là. Donc faudrait tester, voir ce que ça donne.
Donc voilà pourquoi il y a d'autres dispositions de clavier, et voilà aussi pour vous dire qu'il y a des dispositions de clavier qui sont plus ergonomiques que l'AZERTY et le QWERTY. Voilà. Je fais une pause 2 secondes, je vais chercher à boire. Et je reviens. Hop. Et donc, il y a la disposition des touches. Mais est-ce que vous avez déjà aussi fait attention à la disposition des touches physiquement? Est-ce que vous avez déjà vu ça aussi ou pas? Hop. Mon petit T. Parce que les touches ne sont pas placées de manière droite. Elles sont toutes en quinconce. Pourquoi c'est en quinconce? Eh bien, on en revient au même truc. À cause de ça. Les lettres ne pouvaient pas être alignées parce que les bras articulés. Et oui. Donc on se tape des lettres qui sont décalées sur les claviers aujourd'hui. Parce que l'archi trouvait ça plus joli. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. Parce que en fait, physiquement, c'était impossible en fait d'avoir des bras. Des bras qui étaient alignés en fait. Il fallait que ça soit un petit peu décalé pour que la mécanique fonctionne. Et donc, on se tape des lettres en décalé. À cause de ça. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de faire? Donc quand vous tapez normalement, de manière dactylo, bah, vos doigts doivent juste aller en haut, en bas, en haut, en bas pour taper les autres lettres. Et en fait là c'est pas le cas en fait, votre doigt doit aller un peu en haut à gauche ou en haut à droite pour aller taper les lettres. Ce qui est évidemment pas optimal. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour régler ça? Et c'est là que arrive les claviers orthogonaux. Et oui. Donc là, on ne cite pas de marque. Il existe des claviers où toutes les touches sont alignées. Vous voyez? Et en plus sur celui-là, petit truc rigolo, des touches qui servent beaucoup, entrée, pour ne pas le citer, et backspace, sont au milieu. Ils ne sont pas déportés très très loin à droite. Ils sont juste au milieu. Donc vous pouvez l'utiliser indifféremment avec la main droite ou la main gauche. C'est quand vous terminez, une phrase, enfin, quand vous voulez revenir à ligne et que la dernière lettre c'était une consonne, bah, vous pouvez utiliser la main gauche, et puis enfin si vous faites en bépo. Et sinon la main droite. Donc vachement plus logique et vachement plus simple. Et simple à mettre en œuvre. Enfin, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des claviers orthogonaux parce que on a plus les bras depuis combien? ça fait 100 ans qu'on a plus les bras, c'est ok. Donc bon, ça fait pas 100 ans hein, clairement, mais ça fait super longtemps qu'on a plus besoin de bras en fait sur nos claviers quoi. Donc pourquoi on continue à avoir des trucs décalés alors que finalement on n'a plus besoin? Et là, le clavier que je vous montre. C'est un Type Matrix, c'est celui que j'ai en fait. Donc là, vous voyez, il est en QWERTY. Mais derrière, vous pouvez rajouter des petites peaux en silicone. Je sais pas si on les a. Dans la galerie. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre rien. Super. Hein. Ah. Keyboard skins. Et en fait, voilà, vous avez le clavier comme ça de base, et derrière, vous pouvez rajouter une petite peau. Donc, soit il y a du BPO, soit il y a du QWERTY, soit il y a comme j'ai choisi, il n'y a rien du tout. Voilà.
Et donc ces claviers-là, ouais, claviers orthogonaux, sont censés être un peu plus ergonomiques parce que derrière, vous avez pas, vous avez juste à bouger les doigts en avant et en arrière pour arriver à accéder. Quand vous tapez en dactylo, évidemment, hein, si vous tapez avec deux doigts et en tapant comme ça très vite, l'intérêt de l'orthogonal est pas là, quoi. Mais si vous voulez apprendre en dactylo, dans ce cas-là, et ben c'est vachement plus simple. Parce que vos doigts, ils ont juste à faire avant-arrière. Et c'est tout. Pas besoin de se faire chier avec, en plus, l'imprécision. Parce que, alors c'est un peu standardisé quand même. Mais tous les claviers sont différents. Et derrière, il y a des claviers où c'est plus ou moins en quinconce, en fait. Donc si vous changez de clavier, et bah ça va pas être le même écart. Donc au début, vous allez avoir du mal à vous y faire. Parce que l'écart est différent. C'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, oui. Chose rigolote, j'ai appris le Beppo sans regarder et de manière dactylo. Je suis incapable de taper en Beppo à une main. C'est complètement con, hein. C'est complètement con. Alors forcément, si j'avais les lettres imprimées sur le clavier, je trouverais. Mais là, vous me mettez à une main en me disant « vas-y, tape !» Et bah, je suis incapable de le faire. Parce que mon cerveau a appris à taper le Beppo avec deux mains. Et alors c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire, ce qui est faux, mais c'est pas de la mémoire musculaire. Mais ma main gauche, par exemple, si je tape qu'à une main et je tape de la main gauche, ma main gauche est incapable de savoir les lettres qui sont sur la droite, quoi. Enfin, elle est pas incapable, mais il va falloir que je fasse un effort conscient pour me dire, alors là, si j'étais avec la main droite, j'utiliserais ce doigt-là et là. Et ça explique comment les aveugles tapent. Oui, parce qu'il voit pas les lettres. Bien vu. Oh, il est chaud. Donc, les claviers orthogonaux, c'est quand même vachement mieux. Pas suitable pour parents et propriétaires de chats, donc. J'ai pas compris à quoi tu faisais référence. Les aveugles avec un clavier braille, peut-être. Bah non, les aveugles, ils tapent pas avec un clavier braille. Les aveugles, ils tapent avec... Enfin, la plupart tapent avec des claviers normaux, en fait. Bah ouais. Ils vont lire. Ils vont effectivement lire avec une liseuse braille. Ce qu'il y a sur l'écran. Mais sinon, non, c'est sur du clavier. Pas si compliqué que ça à apprendre au début, hein. Ah, t'as ton mioche ou ton chat sur les genoux, t'as qu'une main. Non, mais après, c'est peut-être que moi. Hein. C'est peut-être que moi et mon cerveau. Mais le fait que j'ai appris vraiment sans regarder, de manière complètement aveugle et tout. En fait, ils apprennent à taper les vraies lettres. Et ils lisent du braille, c'est ça, ouais. Et c'est peut-être moi qui fonctionne comme ça. Peut-être que toi, si t'apprenais le Beppo sur un clavier orthogonal. Et truc rigolo, en fait. C'est que, étant donné que j'ai appris le Beppo sur un clavier orthogonal, parce que le Type Matrix, ouais, c'est celui que j'ai, je m'embrouille pas, en fait, entre le Beppo et l'AZERTY. C'est que quand j'ai un clavier normal sous les mains, de base, je sais qu'il est en AZERTY, et donc je vais taper en regardant et en connaissant le AZERTY. Si j'arrive sur mon clavier Beppo, enfin, sur mon clavier orthogonal, là, je suis en mode Beppo, et pareil. Sur mon clavier Beppo, je suis incapable de taper de l'AZERTY. Mais quand ça switch sur mon OS et que je repasse en AZERTY, par exemple... Ah, cette nuance rend service. Oui, la nuance rend service. Après, c'est peut-être que moi qui fonctionne comme ça. Mais ma tête a fait la différence entre l'orthogonal, c'est du Beppo, orthogonal, c'est pas du Beppo. Je vais bien passer au Beppo orthogonal. Eh ben écoute, on va peut-être pouvoir voir. Alors après, il y a d'autres claviers. Clavier ergonomique. Alors ça va être pas être les claviers ergonomiques qu'on vous vend. Hein. Mais ça va être les splits. Ouais. Alors ça, c'est dans le mode... ça va encore un peu plus loin. Hein. Mais les claviers splittés... Ergodox. Ouais, c'est ça. Ergo, Docs. Hop.
Et regardez, lui il est super connu lui. Hop là. Sur PC portable, pas facile. Le plus simple, c'est d'avoir un clavier externe en fait. Et du coup, le Ergodox, il ressemble à ça. Et là, eux, c'est vraiment, on a été au bout du, on a été au bout du game. On a vraiment pensé l'ergonomie, vraiment, du début à la fin. Et vous voyez déjà, il y a la forme naturelle des doigts en fait. On a des doigts qui font pas la même taille. Donc là, je disais, vous voyez, sur le clavier orthogonal, vous allez sur le même, vous allez sur la même ligne. Ce stream est passionnant. Bah merci. Je rebois un petit coup, tiens, pour la tête. Vous allez sur la même ligne, mais vos doigts, évidemment, ils n'ont pas la même taille. Et bah le Ergodox, ce qu'ils ont fait, c'est que, vous voyez, ils sont le clavier n'est pas totalement orthogonal. Tout est aligné sur la même colonne. Par contre, les lignes sont un peu en décalé. Et pourquoi? Et bah c'est parce que vos doigts, ils font pas la même taille. Donc ils ont prévu ça. Et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage sur les touches. Et en plus, les deux mains sont séparées. Donc le clavier est vraiment fait pour que vous ayez les mains dans une position naturelle. C'est-à-dire, si elles sont au même niveau, elles sont pas comme ça, mais elles sont comme ça. Et donc le but, c'est de poser le truc comme ça, quoi. Et vous tapez avec vraiment les deux mains séparées, quoi. J'avoue que j'ai jamais testé le Ergodox, mais le truc a l'air assez fun et vraiment pensé pour de la frappe rapide quoi. Et après vous voyez il y a les différentes touches en plus là, je sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Autre chose qu'on peut voir aussi, une différence, je retourne sur la page Beppo, sur la page Type Matrix, il est où Type Matrix. Vous voyez là les touches. C'est pas des touches mécaniques, c'est des switches. C'est des petits switches, c'est du chiclette comme sur les PC portables. Et ce qui fait qu'on ressent pas vraiment trop les touches quand on les tape. Alors il y a des gens qui aiment ça et à qui ça convient très bien. L'Ergodox aussi en plus, c'est des switches mécaniques. On va revenir après sur les switches, on va expliquer un petit peu comment ça marche. Mais en plus, donc lui il est pas orthogonal. Mais presque. Il est vraiment fait pour avoir la position naturelle des mains. Et en plus, derrière, on a des touches mécaniques. Donc, si je suis en train de faire ce stream aujourd'hui devant vous, chère audience, c'est parce que ça fait 2 ans que je suis sur du Type Matrix, donc ce clavier-là. Et qu'aujourd'hui, je me dis, il y a des trucs qui ne vont pas dans le Type Matrix. Il y a des touches qui sont pas très utiles, qui sont gardées. Par exemple, il y a des touches là, calculatrice et tout, mail, caps. Franchement, je m'en sers jamais. C'est un peu naze. Il y a des trucs qui sont pas accessibles directement. Ce qui m'embête grandement. Et j'aimerais bien un clavier. J'aimerais bien un clavier mécanique. Sauf que, voilà, Type Matrix, le seul truc qu'ils font, c'est ce clavier là. Qui n'a pas changé depuis des années. Et il garde ce truc là. Et moi j'aimerais bien un clavier mécanique. Le Ergodox, je pense qu'il est un peu trop. Bah regardez, hop. Il y a quelqu'un qui l'utilise. Vous voyez un peu ce que ça donne en fait l'Ergodox en utilisation. Et sauf que le problème des claviers mécaniques, c'est beaucoup des claviers gamer. Pardon, petit rototo. C'est des claviers gamer et ils sont en AZERTY. Ils sont en AZERTY, ils sont pas orthogonaux. Et j'aimerais beaucoup clavier orthogonal mécanique. Et si possible, low profile. Et là, j'arrive, je balance mon truc quoi. Donc orthogonal, on a expliqué, c'est quand les lignes sont droites, donc j'ai comme le Type Matrix. Tu bosses sur tes genoux comme moi, compliqué avec clavier externe ou split. Oui, non, clairement. Ah non, mais après je dis pas que ça convient à tout le monde et que tout le monde devrait passer là-dessus. Hein. La plupart des gens sont habitués à l'AZERTY, la plupart des gens sont habitués au clavier en quinconce. Et ça leur convient très bien, quoi. Moi là, c'est juste.
Ma sensation perso, je suis très content du BEPO. Pour le PC portable, je reste sur le LazerTy parce que c'est quand même plus facile. On verra si un jour je switch, mais pour l'instant, sur le portable, LazerTy me convient. Pour le PC fixe, voilà, le BEPO avec le Time Matrix sont quand même cool. Et donc, clavier orthogonal, les touches sont pas en quinconce, les touches sont toutes alignées. Qui gère le BEPO? Ça, c'est faisable. Mécanique, donc c'est pas des petits switches comme sur les PC portables. C'est des. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ouais, juste après, je vous montre. Et Hello Profile, c'est que les touches sont assez petites en hauteur. Et je vais chercher quelque chose. Je reviens. Zut, désolé. Parce qu'un clavier, comment c'est-il que c'est fait? Hop. Un clavier, c'est tout con. Un clavier, en fait, c'est juste plein d'interrupteurs mis côte à côte. Tout simplement. C'est juste des interrupteurs. Et donc quand vous appuyez dessus, et ben, ça envoie un courant électrique. Et derrière, c'est interprété et c'est ah bah oui, voilà, il appuie sur telle touche. Alors, j'ai ici deux types de switch. JFK a eu improvisé avec les zouzous de l'assaut. Ah bah, des bisous à tout à l'heure. Hop. Et donc, c'est aussi con que ça. Vous voyez, ça. C'est un interrupteur de clavier qu'on appelle des switches. C'est un switch mécanique et ça c'est un switch mécanique low profile. Vous voyez la hauteur qu'il fait. Attendez, je vais rapprocher. Ouh, la mise au point. Voilà. Et alors, il y a différents types de switch. Donc là, vous voyez, c'est un autre type de switch. Ça, c'est un autre type de switch. Non, ça, c'est les barres stabilisation. Là, encore un autre type de switch. Hop. Et j'en ai un bleu, j'ai un clicky. Donc, il y a Cherry qui est vachement connu, en fait, pour leur switch. Et donc, ça, c'est un autre switch. Et donc, vous voyez, en fait, c'est tout con. Là, j'ai deux connexions, vous voyez. Hop. Vous voyez, il y a les deux connecteurs, là. Et quand vous appuyez dessus, et ben en fait, ça rejoint les deux connecteurs. Donc c'est vraiment un interrupteur. Hein. Arrives-tu à faire ta mise au point là? Bon, la cam veut pas faire la mise au point. C'est pour ça qu'il me faudra un autre setup. C'est pour montrer des trucs comme ça. Et donc là, vous avez la différence entre un switch normal et un switch low profile. Vous voyez la différence de hauteur? La différence, elle se situe là en fait. Lui, il fait des bruits. Les bleus, ils sont bruyants. Les marrons, ils font pas de bruit. Et j'appuie dessus. Hop! Et donc voilà, et donc en fait un clavier. ASMR de geek. Un clavier, et bah c'est juste des interrupteurs comme ça, qui sont mis côte à côte ensemble, et derrière il y a un petit logiciel qui traite pour savoir qu'est-ce qui a été appuyé comme touche. Alors, je viens pas de nulle part. Hein. J'avais commencé. Hop.
J'avais acheté un petit testeur de touches qui permet de tester les différents. Regardez, vous entendez? Ces différentes touches de clavier. Ça s'achète, ça, sur internet. C'était il y a un petit moment. Hop. Donc du coup, c'est pour tester les différents types de switch. Parce qu'il y a différentes couleurs en fait de switch pour les claviers. Qui vont procurer différentes sensations. Je vais prendre l'air. Et bah des bisous et bonne balade. Différentes couleurs en fait pour différents types de touches. Donc il y a ceux qui sont clicky. Qu'on va entendre quand on appuie et qui ont une forte résistance. Il y a ceux qui sont clicky mais sans beaucoup de résistance. Il y a ceux qui sont silencieux mais qui ont beaucoup de résistance. Et voilà. Et donc en fait ça fait différentes... Hop, je vais enlever les... Je vais enlever... les capuchons. Et là sur cette plaque là, il y a plein de couleurs. Et ben en fait, chaque switch a une caractéristique. Ah, il y en a un... celui-là il est vert. Mais c'est pour ça qu'il disparaît. Et donc chaque switch là a une caractéristique. Donc il y en a où il faut appuyer plus ou moins fort. Il y en a qui vont faire plus ou moins de bruit. Et donc c'est comme ça que vous sélectionnez en fait les switches de vos claviers. Si vous avez un clavier gaming, des fois même vous pouvez remplacer les switches de votre clavier. Et pour dire bah, par exemple celui-là, je veux qu'il y ait plus de pression sur celui-là. Par exemple la touche Escape par exemple, c'est peut-être une touche où vous voulez qu'il faut vraiment appuyer. Pour éviter d'appuyer dessus sans faire attention quoi. Donc c'est peut-être une touche où vous voulez vraiment qu'il faut exercer de la force. Je vous dis pas de tabasser la touche. Hein. Mais où il faut exercer de la force en fait pour qu'elle se déclenche. Et si elle fait du bruit c'est mieux. C'est bien aussi. Ça vous permet de vous dire ah bah c'est bon. Le escape s'est déclenché. Si vous tapez beaucoup... peut-être qu'avoir des touches clicky sur toutes les touches, ça va vous saouler parce que toute la journée vous entendez le clac 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 comme les vieilles les vieilles machines à taper en fait où on entendait le clac en fait. Mais les mécaniques, ouais, il y a une sensation en fait vraiment quand vous appuyez sur les touches, vous sentez que vous appuyez sur la touche. Donc ce qui permet aussi de mieux taper en fait, parce que y a pas un moment où vous dites merde, est-ce que j'ai vraiment appuyé Il y a une petite... sur les Ergodox par exemple. Hop, vous voyez là, il utilisait que des blue switch. Donc par exemple là, c'est des switch qui font du bruit ceux-là. Ceux-là, c'est des bruits. Donc ça, c'est pas... Typiquement, c'est un clavier qui va faire énormément de bruit. Ah, ils ont fait un dérivé du Beppo. Après voilà ce que vous expliquez, il y a des gens après qui modifient, qui reprennent une disposition de clavier et qui la changent un petit peu. Mais parce que ça leur convient mieux. Donc par exemple là ils ont pas fait du Beppo parce que ils ont convenu qu'avec l'Argodox c'était pas très très intéressant et donc ils ont fait autre chose quoi. Après il y a ceux qui mettent des LED en plus. Ce qui peut donner un effet assez cool à leur clavier. Il y en a qui mettent des touches personnalisées, qui ont des box personnalisées. Vous voyez là, par exemple, lui, Uwell d'ailleurs, a fait son contour en bois de son Ergodox. Donc il y a des trucs vraiment très stylés. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que faire son clavier, soi-même, c'était pas si compliqué. En fait, c'est juste... alors, ce que je vous disais, hein, grosso modo, c'est un clavier, c'est juste des touches mises ensemble, des interrupteurs mis ensemble, et c'est tel interrupteur, quand il est activé, et faut produire tel caractère, quoi. C'est pas... Niveau électronique, c'est pas le truc le plus coucou mon chat. Elle forcément se dit oh dis donc il y a des trucs sortis là que je connais pas, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux sniffer
Oui, mon chat, tu peux. Donc, niveau électronique, en fait, un clavier, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Bah, c'est l'un des premiers périphériques, de toute façon, qui est arrivé avec l'informatique. Hein. Donc, c'est des trucs qui marchaient, déjà dans les années 60, quoi. Donc, voilà. Et bah, vous avez toutes les variétés de couleurs et tout. Vous voyez juste sur l'ergodox, là. Hein. Et si vous cherchez un petit peu... Donc si vous cherchez sur le do-it-yourself keyboard, vous allez voir, il y a des gens qui font des claviers mais de fou quoi. Donc bah, y en a qui commencent petit quoi, qui font des... Non c'est un truc à acheter. Mais ouais globalement c'est ça quoi. Et il y a plein de gens qui se mettent à faire leur clavier. Ailleurs il y a les 60% par exemple. Ah c'est pareil, il y a le clavier standard donc c'est 105 touches. Et il y a des gens qui veulent vraiment juste le strict nécessaire. Donc il y a des mouvances de clavier maintenant qui sortent avec beaucoup moins de touches. Et est-ce que je peux en trouver du 60% là? Et ben regardez, on va le faire ça. Hop, 60%. Et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est un clavier 60%. Vous avez vu, y a pas, déjà, il n'y a pas les touches de fonction. Ce qui en enlève pas mal. Il n'y a pas le pavé numérique. Il n'y a pas les flèches. Donc là, c'est vraiment pour les personnes un peu plus barjots, quoi. C'est vraiment... Mais souvent, il y a une touche qui permet de... Voilà, là, il y a la touche fonction. Hop, on va regarder là. Il y a la touche fonction. Et donc, par exemple, souvent, fonction et 1 fait F1, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à se sortir du fait d'avoir des touches en moins. Alors il y a les 60%, il y a les 70%, les 70% vont rajouter les touches de fonction je crois. Donc il y a... Oh, puis regardez les diversités de coloris. Et donc ça c'est pour les claviers qui sont assez connus. Ah c'est juste les keycaps en fait là. Là il n'y a pas le clavier, c'est juste les keycaps, d'accord. Je me disais le tarif est pas cher. Ils rajoutent... souvent ils rajoutent de la lumière. Donc il y a une diversité dans les claviers fait maison qui est juste assez dingue. Vous voyez lui là par exemple il l'a fait en orthogonale. Il a fait un clavier... Ah il est où ? Il explique les switches qu'il a utilisés, tout ça. Hop hop hop, il soude. Bah, je sais pas pourquoi on voyait ce clavier là et que c'est pas celui-là. Au final, c'est pas celui-là. Alors, le hot swap, c'est quand vous pouvez enlever les touches de votre les switches du clavier et les remplacer par d'autres. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui enlèvent les touches par exemple qui ont des bleus et qui les remplacent par des browns, enfin voilà. Il y a moyen de faire un petit peu ce que vous voulez. Oui, il y a même pas sur celui-là. Il n'y a même pas les chiffres. On se contente vraiment du minimum de minimum quoi. C'est vraiment les principales touches de fonction et les lettres. Et donc derrière, après, faut utiliser des combinaisons pour arriver à accéder à plus quoi. Voilà, petit clavier orthogonal. Orthogonal mécanique celui-là. Donc celui-là par exemple aurait deux des critères que j'aimerais bien. Que sont orthogonal et mécanique. Moi en plus j'aimerais bien qu'il soit low profile. Est-ce que on va avoir des photos low profile mechanical keyboard? Allez, montre-nous des photos. Voilà, typiquement, celui-là. Hop. Voyez. C'est vers ce genre de résultat que j'aimerais aller, en fait. Parce que les claviers mécaniques, c'est vrai qu'ils sont vraiment très épais.
parce que les c'est des grosses touches. Et typiquement, moi, c'est pas, ça me va pas en fait. Je suis habitué maintenant au Type Matrix, qui est assez fin finalement. Et retourner sur un clavier qui est vraiment très très épais, ça me poserait problème. Donc, et j'aime bien le format des touches sur des claviers low profile. Donc il y a le Cool Master aussi qui est pas mal. Le Cool Master, en fait, lui, ce qui lui manque, c'est juste d'être orthogonal. Si le Cool Master l'avait été orthogonal, c'était juste le clavier nickel, quoi. Il y a des beaux effets lumineux, les touches sont sympas et tout. Celui-là aurait été tellement bien, quoi. Et voilà, c'est les claviers mécaniques low profile, c'est quelque chose qui commence à arriver sur le marché. Et je trouve ça vraiment chouette, quoi. Mais le but, c'est aussi de me faire plaisir et de faire les choses moi-même, quoi. Il y a un autre Cool Master, parce que celui-là, c'est le 621. Ah, celui-là, ouais, c'est le 621, donc il est un peu... c'est un 60% celui-là. Hein. Il n'est pas complet, hein, vous voyez, il n'y a pas les touches de fonction. Et c'est le 630, voilà, qui rajoute les touches de fonction, qui est un peu plus complet, mais toujours en low profile, quoi. Et il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais ça reste du QWERTY ou de l'AZERTY, quoi. Malheureusement. Hop. En même temps, je regarde un petit peu, hein, qu'est-ce qui se passe. Bon, alors là, il y a le pavé numérique, le truc qui sert à rien du tout. Ça, le pavé numérique, c'est bien un truc dont je me suis jamais servi. C'est bien ça, quoi. Et donc, ouais, il y a des gens qui font leur clavier eux-mêmes, quoi. Je trouve ça plutôt chouette. Hop. Souvent les mêmes qui ressortent. Hein. Vous voyez, souvent les mêmes qui ressortent. Et un avantage du low profile aussi, c'est qu'il n'y a pas... la forme des claviers avec les touches qui sont plus ou moins hautes et tout, qui est un peu en forme d'escalier en fait sur les claviers mécaniques. Vous savez, souvent il y a une forme d'escalier et ce qui oblige à péter un peu les poignées en fait. On est obligé d'avoir les poignées un peu comme ça parce que les claviers vont en hauteur. Le clavier low profile, toutes les touches, vous voyez bien sur la. Vous voyez, toutes les touches sont au même niveau en fait. Donc vous pouvez vraiment avoir le clavier qui est à plat, et derrière, enfin au-dessus, vos mains vont se poser, quoi. Ce qui est quand même là, sur celui-là par exemple, vous voyez, il y a un effet d'escalier. Qui est pas forcément très ergonomique du coup. Là, tout est pareil, c'est plutôt mieux. Enfin, moi ma sensation c'est que claviers comme ça sont quand même plutôt mieux. Voilà. Voilà où j'en suis dans ma réflexion. Bon, je suis allé un peu plus loin quand même. Là, je reprends parce que je trouve ça... Oh. Full size ortholinaire keyboard. Non, mais les ouf. Regardez ça. Ah, y en a, c'est des furieux quand même. Donc lui... Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il y a deux rangées de touches de fonction? Je sais pas pourquoi. Oh là là, oh les tarés. Mais il est bien lui. En fait, pourquoi je suis en train de me faire chier essayer d'en faire un, alors que sur AliExpress pour 35 balles, ils en font. Regardez ça. Bah, il est pas low profile celui-là. Voilà. Non, mais le but c'est aussi de... Ah non, il est pas... Non, bah, ouais, non. Ah, il est pas à 35 balles, là. Hein. Ah non, 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 non.
Il n'est pas à 35 balles, hein. Clairement. Ah, il est plus cher, hein. Commutateur QMK, programmable. Getron, Kale, Cherry MX. Ah, ils sont plantés par contre. Merci Ali. Bah ouais, non mais AliExpress quoi. Après voilà, il y a moyen de le personnaliser et tout. Moyen de sélectionner la couleur. Oh là là, les ouf. Les ouf! Mais voilà en fait. Ce vers quoi je veux tendre en fait, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais en low profile. Donc pas avec les grosses touches DSA quoi. Et en plus si je peux le faire moi-même et être plutôt fier de mon travail, voilà. Ça peut être. Ça serait clairement un plus. Du coup, comment faire son propre clavier, vous allez me dire. Et ça serait une excellente question. Et bah. Il y a moult choix. Il y a moult choix. Il y a énormément de ressources. Alors, on croirait pas comme ça. On pourrait se dire, voilà, c'est. Faire son clavier, c'est vraiment un truc. Il y a deux pauvres gars. Il y a deux pauvres gars qui l'ont fait dans leur vie. Et c'est impossible à trouver. Et bah, pas du tout. Et il y a vraiment beaucoup de ressources sur Internet qui expliquent. Comment faire son propre clavier. Et des gens qui parlent de leur expérience sur faire leur propre clavier, quoi. C'est assez dingue. Et j'ai simplifié en fait un petit peu. Donc voilà, comme je vous disais, il y a des choses que j'ai déjà regardées en fait sur Internet et j'avais déjà commencé. Hop, il y a mon petite plaque là de test. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les switches de test. Là, les switches de test, vous voyez en fait il y a des câbles dessus, et bien c'est parce qu'en fait je les ai soudés. Donc en fait ça c'est un clavier. Alors il y a là il n'y a pas la partie il y a pas la partie électronique, là c'est vraiment juste la partie clavier. Mais avec ceci ça permet de gérer le clavier. Donc j'avais vraiment fait un truc de test. Alors en plus il y a des LED parce que j'avais géré le. Oh là là, par contre il y a des poils de chat aussi là-dedans. J'avais géré le backlight avec des LED. Donc j'avais commencé à programmer ça. Au revoir les poils de chat. Donc vous avez la petite carte contrôleur. Après vous avez différentes entrées et tout. Dessus. Hop. Ça, c'est ce que j'avais commencé à faire, donc c'est pour ça que je connais un peu le sujet en fait, c'est parce que j'avais déjà prototypé quelque chose. Merde, ça s'est barré. Zut. J'avais déjà prototypé un truc. Et ça marchait. Donc j'étais content. Il y a des LED parce que t'aimes le tuning et puis c'est tout. Bah oui, non mais c'est un mec qui a rajouté un radar de recul à sa voiture et puis des ports USB qui parlent de ça, donc évidemment que je suis un gros kéké. Évidemment que je suis un gros kéké. Hop. Augmentons la taille de ce truc. Et donc un clavier, voilà, ça pourrait être juste un contrôleur de clavier et puis derrière des touches, enfin des interrupteurs du coup. Et ça pourrait être avec n'importe quel interrupteur. On pourrait faire ça avec des interrupteurs Legrand, que ça marcherait aussi bien. Hein. Bon, ce serait un peu plus grand, mais, mais ça marcherait aussi bien. Mais il y a un petit bémol. C'est qu'on peut pas se permettre d'avoir. Enfin, au niveau du contrôleur, il faut que les interrupteurs ils soient connectés au contrôleur pour que le contrôleur sache sur quoi vous appuyez. On va regarder à quoi ça ressemble. Hop. STM32. Est-ce que je vais trouver quelque chose si je cherche STM32? Oui. Ah, le contrôleur à 9000 balles, là. Pas mal. Hop, voilà, bon alors ça c'est pas... Voilà à quoi ça ressemble en fait une puce électronique qui permettrait de contrôler un clavier. Et vous voyez, il y a un nombre de broches. Il y a des broches dessus,
qui après sont connectés à votre plaque. Et derrière, vous voyez, il n'y a pas un nombre illimité en fait. Donc si on voulait connecter un clavier par exemple à 105 touches sur un truc comme ça, il faudrait 105 broches. 105. Combien ? 105. Donc vous imaginez que la puce, ça serait quand même vachement plus grande et ça impliquerait des problèmes en termes de coût. A priori, il n'y a pas aujourd'hui sur les claviers, quoi. Eh bien, parce que les ingénieurs se sont grattés la tête et ils se sont dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus simple ?» Parce qu'en plus, il y a des broches qui sont... Il y a des broches, c'est pour alimenter la puce. Il y a des broches qui vraiment sont spécifiques, qui ne sont pas des entrées-sorties. Et en plus, qu'on ne peut pas utiliser donc pour connecter le clavier. Et donc... Et les ingénieurs, ils se sont dit, on va faire une matrice. Alors, la matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est un film avec Keanu Reeves. ce qu'ils se sont dit, c'est que si vous voulez localiser une... Alors, il peut exister des claviers où chaque touche du clavier est connectée à une broche du contrôleur. Et c'est OK. Par exemple un clavier à 20 touches, globalement c'est facile de trouver des contrôleurs avec 20 entrées sorties et derrière ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Sauf que voilà, sur des claviers un peu plus imposants, c'est pas faisable. Et donc vient la matrice. Donc comme j'ai expliqué, les claviers c'est des switches, donc c'est... Il y a deux petits connecteurs métalliques dessus. Et quand vous appuyez sur le... Quand vous appuyez sur le switch, il est où ? Hop. Vous voyez, donc là, entre les deux connecteurs, il n'y a pas de jus qui passe. Il n'y a pas de connexion entre les deux. Et au moment où vous allez appuyer sur l'interrupteur, ça va faire connexion entre les deux. Et donc si vous faites passer un courant électrique là-dedans. Et au moment où vous appuyez, le courant électrique il va passer. Et quand vous relâchez, le courant électrique il passe plus. Là il passe, là il passe plus. Là il passe, là il passe plus. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà comment ça marche exactement un switch de clavier. Qu'importe la techno, donc si c'est des switches mécaniques comme ça, ou si c'est des switches low profile, ou si c'est du chiclet. C'est exactement le même principe, c'est quand vous appuyez, le courant va passer, quand vous relâchez, le courant ne passe plus. Il y a un petit ressort dedans en fait pour que le truc remonte. C'est comme ça que ça fonctionne. Et plutôt que d'avoir un switch qui est connecté à une broche de votre contrôleur, c'est toute une matrice. Alors je sais pas si il a fait une... C'est ça. Donc en fait les switches sont connectés entre eux, en ligne... Et en colonne. Donc les touches sur la première colonne vont être connectées entre elles. Et les touches sur la deuxième colonne vont être connectées entre elles. Et les touches sur la première ligne vont être connectées entre elles. Alors sur un plot ou sur l'autre. Et ce qui fait en fait que votre contrôleur il va jouer à la bataille navale. Quand vous allez appuyer sur un switch... Ça va allumer une colonne et une ligne. Et est-ce que vous voyez le truc arriver ? Donc si ça allume une colonne et une ligne, et derrière, si le contrôleur sait pour telle colonne et telle ligne, c'est telle touche, alors il sait sur quelle touche vous avez appuyé. Ce qui fait que vous avez besoin de beaucoup moins d'entrées et de sorties que le nombre de touches. Vous avez besoin de... si vous avez un clavier avec... 5 lignes et 4 colonnes, par exemple, ça vous fait un clavier à 20 touches. Sauf qu'au niveau du contrôleur, il y aura besoin que de 9 entrées et sorties, et pas 20. Parce qu'il y aura besoin d'entrées et sorties pour les lignes, et d'entrées et sorties pour les colonnes. Donc 5 plus 4, 9. Ça vous divise quand même par 2 le nombre d'entrées et sorties que vous avez besoin sur cet exemple-là. Si vous avez un clavier avec 12 colonnes et 6 lignes, donc on arrive à 72 touches,
vous aurez besoin que de 19 entrées-sorties sur votre contrôleur. Donc on est quand même à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et après, il y a encore d'autres manières pour diviser, enfin pour baisser encore un petit peu ce niveau. C'est vous pouvez relier des lignes entre elles. Donc c'est par exemple qu'une ligne, ça soit la ligne 1 et la ligne 3. Et que la première et la deuxième ligne, ça soit la 2 et la 4, par exemple, vous alternez comme ça. Et donc il y a différentes manières de faire une matrice. Mais derrière, en fait, c'est une matrice. Et c'est comme ça qu'il le fait. Là, vous avez la matrice, enfin la ligne 1, la ligne 2, la ligne M. Et vous avez la colonne 1, la colonne 2, hop, la colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis la dernière colonne. Voilà, c'est 1, c'est 2. Et donc, par exemple, vous savez que si à un moment, la ligne R2 a du jus et la colonne 2 a du jus, et ben vous savez que c'est cette touche-là qui a été appuyée et pas une autre. Est-ce que c'est pas super malin? Donc c'est voilà, ce lien-là. Hop, je vais le mettre dans le chat. Ce lien-là, c'est ce qu'il explique en fait. C'est le concept de matrice dans les claviers. À quoi ça sert? Et comment c'est mis en place. Donc la première chose quand vous concevez un clavier, c'est finalement de concevoir la matrice du clavier. Donc il faut déjà avoir le layout de votre clavier, la manière dont il est fait. Ah ouais, alors il y a d'autres choses. Alors ça explique aussi pourquoi il y a des diodes. Ça demande un petit peu de notion d'électronique. Mais si vous faites ça comme ça, juste sans diode, sans rien, le clavier, il va pouvoir... Le courant, il va passer dans un sens et dans l'autre aussi. Et donc, en fait, là, vous allez appuyer sur un truc et tout va s'allumer, ça va être la merde. Et par exemple, si vous appuyez ici, le courant, il va pouvoir remonter par là. Et donc, passer par là, et donc ça va repasser partout, ça va être une catastrophe. Et donc, c'est pour ça qu'il a sur son petit schéma, il a mis des diodes. Ah, les diodes, c'est des composants électroniques, en fait, qui font passer le courant dans un seul sens. Et donc ce qui fait que le courant va pas pouvoir remonter. Donc là il y a une diode, mais là il y a une diode aussi. Ce qui fait que quand vous appuyez sur cette touche là, il y a que cette ligne là et cette colonne là qui s'allume parce qu'il y a la diode. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter, voilà. C'est ce qu'il explique là sur le schéma là. Vous voyez, si vous appuyez, paf paf, sinon ça va remonter, ça va passer à côté quoi. Là ça va passer un peu dans tous les sens. C'est le bordel. Donc des diodes partout. C'est la meilleure solution. Et donc là, le courant, si vous appuyez ici, le courant, il va passer là, hop, dans la ligne. Mais par exemple, il ne va pas pouvoir revenir dans la ligne 2, quoi. Enfin, cet autre switch, il ne va pas pouvoir remonter par là. Pas possible. Après, il évoque d'autres choses. Il y a les XKRO, NKRO. Ça, c'est... On en parlera un peu plus tard, mais c'est pas trop un problème. C'est quand vous appuyez sur plusieurs touches en même temps. Par exemple, il y a des fois, en fait, vous ne pouvez pas savoir quelles touches réellement ont été appuyées. Si vous appuyez sur trois touches qui forment un L, pas la touche L, hein. C'est, vous avez une touche numéro 1, par exemple, là, c'est mon exemple. Avec le principe de la matrice, par exemple, si j'appuie sur ces trois touches-là, les trois touches du bas, et il y a la touche du milieu qui va s'activer aussi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cette ligne-là qui est allumée. Cette ligne-là, elle est allumée parce que j'ai appuyé sur ici et ici. On est d'accord? Il y a cette ligne... il y a la colonne-là qui est allumée. Il y a cette ligne-là qui est allumée parce que j'ai appuyé sur les deux ici. Il y a cette ligne-là qui est allumée parce que j'ai appuyé ici. Mais donc, si j'appuie sur les trois là en même temps, ça peut être aussi ce bouton-là. Comment on sait s'il est appuyé ou pas? Vu que... Il y a cette colonne-là qui est allumée, cette colonne-là qui est allumée, cette ligne-là. Donc celle-là, par exemple, on sait que non, parce qu'il n'y a pas d'allumage au niveau de la colonne. Cette ligne-là, on sait que non, parce qu'il n'y a pas d'allumage au niveau de la ligne. Mais ce bouton-là pourrait très bien être appuyé, et on n'est pas au courant, ou il n'est pas allumé, mais on le détecte quand même. Parce qu'il y a colonne-là, et ligne-là. Donc c'est le problème des trucs en matrice, c'est que quand on appuie sur des touches, sur plusieurs touches qui sont côte à côte, ça peut en déclencher d'autres, ou elles peuvent être ghostées. Ça y est, quand on ghoste les gens,
Et bah, il y a pareil sur les claviers. Vous appuyez sur plusieurs touches et il y en a une, bah en fait elle est pas appuyée, mais c'est parce que vous appuyez sur plusieurs touches en même temps. Donc il y a des moyens en fait de mettre ça, de régler ce problème. Mais globalement c'est pas vraiment un problème, c'est assez rare quand même d'appuyer comme un bourrin sur plusieurs touches. Mis à part à taper comme ça avec le poing sur un clavier, il y a pas trop de... Il n'y a pas trop de problèmes. Je vais retourner me chercher à boire et je reviens tout de suite. Je me demande pourquoi j'ai pas directement pris la... J'avais pas directement pris la théière. Hop. Mais c'est bon, c'est réparé. Donc voilà. Donc la première base, en fait, quand vous voulez créer un clavier, bah, c'est d'avoir le... la tête de votre clavier. C'est d'avoir la tête de votre clavier et derrière, et bah, c'est d'en déduire la matrice. La matrice de touches pour pouvoir câbler derrière matériellement votre clavier. Donc ça c'était... Alors le mec est pas, on est pas en avance hein, parce qu'il a écrit en 2013, c'était la première partie de son tutoriel. Et, et la deuxième partie du tutoriel est en coming soon. Bon, elle a quand même fait une update parce qu'en 2016 ça a été traduit. Mais, mais derrière, on attend toujours la deuxième partie, mec. Hein. Franchement, pas du boulot. Hein. Donc, ça, c'est la partie matrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi, enfin, quand j'avais commencé à m'y intéresser, voici ce que j'avais fait. Hop. Alors ça, c'est un petit outil. C'est un outil qui est dispo sur internet qui s'appelle Keyboard Layout Editor et qui vous permet de créer un layout de clavier, tout simplement. Donc derrière, vous dites bah, je veux telle touche, je les veux disposer comme ça, et derrière, bah, derrière vous vous débrouillez comme des grands en fait, hein, pour faire ce que vous voulez. Et donc, j'étais parti du design du Type Matrix, que j'aime beaucoup, et que j'avais agrémenté de quelques touches, quoi. Donc voilà ce que ça donnait. Peut-être qu'aujourd'hui, je le ferai différemment, faudra voir si, si je fais pas des, des modifs. Donc moi, il sera en BPO, mais derrière, les systèmes d'exploitation, en fait, c'est eux qui traitent les touches différemment. Mais derrière... Ce que fait votre clavier, c'est qu'il envoie le keycode pour un Q, par exemple, quand vous appuyez ici. Quand c'est en AZERTY, bah, l'OS, il dit « Ah, bah, en fait, ça, c'est un A. » Quand c'est en BPO, le système d'exploitation, il dit « Ah, bah, en fait, non, ça, c'est un B. » Mais derrière, le keycode qui est envoyé, enfin, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est les touches que j'ai fait afficher, là, c'est ça reste du QWERTY, mais ça n'en sera pas si j'arrive vraiment à faire ce clavier. Donc ouais, ça ressemble beaucoup au Type Matrix, avec des petites corrections de trucs qui vont pas. Faudrait peut-être que je rajoute une colonne en plus pour avoir des fonctionnalités en plus. Mais après, les couleurs même, j'aime bien en fait. J'aimerais bien en fait avoir un clavier de cette couleur-là. On voit bien le Escape bien flashy, bien rouge, avec une nuance de gris et de bleu et de gris un peu plus foncé. C'est quelque chose qui me plaisait bien. Voilà, j'avais donné un petit nom, l'orthobépo. Et c'était fait par moi. Je crois que ça, je peux le partager. Si à un moment, ça vous intéresse d'aller regarder le truc en particulier. Hop, il est dispo. Donc vous voyez, là, il y a combien de lignes et de colonnes? 1, 2, 3, 4, bah attends, c'est pas compliqué, il y en a 12, 13, 14, et en ligne on en a 6, 14 x 6, ça fait combien? Est-ce que vous sachiez me le dire?
va le faire comme ça, c'est plus simple. 84. Donc clavier 84 touches. Mais 14 plus 6, et bah j'ai besoin d'un contrôleur avec 20 entrées sorties seulement quoi. Donc j'ai quasiment 80 touches, mais derrière mon contrôleur, bah, il faut que 20 entrées sorties. Donc ce qui simplifie quand même vachement le truc hein. Plutôt d'avoir un contrôleur avec 100 entrées sorties, ce qui est plutôt rare et ce qui est chiant à souder et qui est plus cher évidemment. Bah, vous retrouvez qu'un truc à 20 entrées sorties, ce qui se trouve assez facilement. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Non, ça c'est pour le PCB. Ça, c'est un blogueur qui a expliqué. Ah, mais après, si, quand vous commencez à regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait, ah bah lui il a plus de site. Marche plus. Quand vous commencez à gratter un petit peu les claviers homemade, juste ça n'en finit pas quoi. Il y a des gens, ah bah vous voyez, lui il avait fait aussi le clavier sur le même outil que j'ai fait quoi, pour essayer de faire son layout. Donc il y a moyen de s'inspirer d'autres gens et tout, c'est quand même assez chouette en fait comme j'ai l'impression que c'est une belle commu en fait le. C'est rigolo d'avoir. On a des communs toxiques dans le jeu vidéo. Mais dans le clavier. Dans le clavier, ils sont plutôt ouverts. Il y a plein de gens qui aident et tout. C'est franchement chouette. Hein. C'est franchement chouette. Et quand une fois que vous commencez à gratter un petit peu, ça n'en finit juste pas, quoi. Vous tombez sur des forums où les gens montrent ce qu'ils sont en train de faire. Ils prennent des photos des différentes étapes, ils s'entraident et tout. Il y a un nombre d'outils qui est juste énorme quoi. C'est bah l'outil que je vous ai montré là, tu vois. C'est quelqu'un qui l'a fait quoi. Ça c'est quelqu'un qui a fait ça et qui a dit bah enfin tout le monde peut l'utiliser, c'est plutôt cool, allez-y. Et c'est donc, il y a vraiment de la. Je pense qu'il y a vraiment de la demande derrière, quoi. Donc, ouais, sur la doc. Lui, il explique comment vraiment faire un clavier depuis le début. Vous voyez, on peut aller voir sa collection de claviers, a priori. Sur quoi on va tomber? Aïe. Le mec a pris en photo ses claviers. Qui sont plutôt classe quand même. Et qui sont assortis à ses crocs. Vous voyez là, il commence à avoir des split keyboards. Avec une forme un peu particulière. Après les claviers un peu plus sympa, les petites ailettes sur le côté là. Mais ouais, j'ai vu des j'ai vu sur des forums des mecs qui dépensent des fortunes là-dedans. C'est juste assez dingue quoi. Moi je veux vraiment un truc simple quoi. Donc voilà, donc là il explique un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Il a mis un codename sur son clavier parce qu'il y aura 67, il y aura 67 touches. Donc il l'a appelé le AEK67. Voilà. Et donc il explique un petit peu. Alors ouais, alors il y a les touches qui ont différentes tailles. Alors lui il a ça parce qu'il part sur un clavier standard on va dire. C'est un problème que j'ai pas spécialement avec un clavier orthogonal linéaire. C'est que quasiment toutes les touches font la même taille. Vous voyez celle-là par contre qui fait deux U, on appelle ça des U. Donc ça c'est des touches 1U. Donc là on a du 2U, là on a du 3U qui sont plus rares.
Mais les deux U, hein, celle-là, on les connaît. Hein. On en a, on a les touches Shift, tout ça. Souvent en deux U. Il y a du 1.5U aussi. Par exemple, la touche contrôle, par exemple, ici, là, elle fait 1.5. C'est pas là, la touche Shift, elle fait 2U. Et elle fait 2U. Hein. Ah, un peu plus grande même. Mais la contrôle a fait 1.5U. Donc il explique. Il fait un Endwire Keyboard. Ah bah voilà, il explique. Ah, il faudrait que je le garde celui-là. Il faudrait qu'on le garde. Donc il explique, voilà. Comment il a fait. Il y a une deuxième partie. Hop. Hop. Ah, yeah. Ah le plank, ouais. Le plank, c'est un tout petit clavier. Mais du coup, il les vend tout près. Enfin, il les vend tout près. Ils les vendent avec la plaque. Je me suis toujours demandé s'il y avait un risque de démonter un clavier mécanique. Alors ça, bah, ça dépend du clavier en fait. Mais a priori, les claviers mécaniques sont plutôt solides en fait. Donc tu devrais pas avoir trop de problèmes à le démonter. Déjà, est-ce que t'as essayé d'enlever les keycaps déjà? Je sais pas comment on traduit keycaps en français. Mais si t'as un mécanique, en fait, il suffit juste de tirer sur les touches. Enfin, pas sur les touches, du coup. Enfin, si, sur les touches. Les quoi? Les keycaps. Alors, les keycaps, regarde. Oh, c'est les chapeaux. c'est les chapeaux de. Les chapeaux de clés. Hop. Tu vois, les keycaps, c'est ça, en fait. Donc, c'est là où t'as les inscriptions de touches. C'est pas le switch. Tu vois, t'as le switch. La touche plastique, exactement. T'as le switch et t'as le keycap qui va dessus. Déjà, est-ce que t'as essayé d'enlever les keycaps dessus? Normalement, tu vois, enfin. Là, si c'est du. Jamais essayé encore. C'est quoi comme marque de clavier que t'as? Est-ce que tu connais la marque de clavier et est-ce que tu connais le type des touches de ton clavier? C'est du Razer et derrière, c'est du Cherry MX dedans? Est-ce que tu sais? Si t'as la ref, tu peux me la donner, je peux regarder. Et non, je sais pas. L'info peut-être se trouver facilement sur internet. Souvent, les claviers mécaniques, surtout les claviers mécaniques gamer, tu vois, t'as la keycap qui est là. Alors celle-là, c'est une transparente, hein, mais tu vois, t'as la keycap. Et dans le milieu, t'as une petite croix. Ça, c'est le format Cherry MX. T'as une petite croix et ce qui est vachement bien fait, c'est que t'as pareil de l'autre côté, mais en mâle. Black Widow Ultimate de 2014, je regarde. Et donc en fait, il suffit juste bah, de mettre les deux, hop, d'appuyer et ça les verrouille. Sauf que, tu vois, les deux sont ensemble là et donc ça tient. Sauf qu'il suffit de juste de tirer un petit peu dessus et puis t'enlèves le keycap. Évidemment, il faut le faire de manière propre, quoi. Mais souvent, sur les claviers mécaniques, les keycaps s'enlèvent assez facilement. Je regarde. Razer. On va regarder ensemble. Black Widow. Ultimate. Ah, ben on va. Hop. Ultimate 2014. Hop, switches. Et bah a priori c'est du Cherry MX.
Tu vois, c'est exactement comme ce que je viens de montrer finalement. Hop, hop, hop. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est ton clavier, a priori. Il doit ressembler à ça, j'imagine, si j'ai trouvé le bon truc, tu vois. Et exactement ce que je disais, tu vois, la croix. Pour pouvoir verrouiller les touches. Et derrière, en fait, t'as juste à tirer dessus. On va afficher l'image, voilà. En fait, tu vois, y a rien qui retient, mis à part la gravité et le fait d'être appuyé dedans, quoi. Mais y a rien de plus qui retient en fait. Donc t'as juste à tirer sur tes touches. Et la keycap va s'enlever quoi. Donc tu peux le faire. T'enlèves tout, tu les poses bien. Mais bon, toi qui fais du puzzle, c'est ok. Tu les poses bien dans l'ordre. Tu nettoies ton clavier. Et un bon coup de bombe à air déjà, ça fera pas de mal. Et puis derrière, après, t'as juste à remettre tes keycaps, quoi. Et donc, bah, t'as juste à les poser, appuyer dessus, et c'est bon, elles sont remises, c'est ok. Voilà. Je vais surtout faire une photo avant. Ouais, alors fais-la en bonne résolution et pas de flou. essaye, enfin, là, juste essaye avec une touche qui est un peu à part. Tu dois avoir le Escape qui est un peu à part, je pense. Voilà, regarde le Escape, il est bien tout seul. Juste essaye, tu tires sur le Escape, et tu vas voir, le truc va venir tout seul, quoi. Et après, t'as plus qu'à faire ça pour toutes les touches. Ah oui, il explique comment ça marche. Donc le switch, avec le petit ressort, avec le contact quand on appuie dessus. Avec le point de pression. Ça, c'est rigolo. Hop. Donc le plank, c'est un tout petit. Donc il explique. Qu'est-ce que c'est qu'un clavier? C'est une matrice de switch. Je viens de le faire avec le M1 Easy en fait. Ouais. J'ai peur que le système soit le même que pour les portables, pour les mécaniques. Mais non, justement, les switches ouais, sur les PC portables, c'est une petite membrane et tout. Et donc, quand tu les enlèves, un coup sur deux, déjà, la membrane en plastique, elle pète. Et après, pour les reclipser, c'est super galère. Mais non, sur les mécaniques, en fait, c'est juste inséré, quoi. Donc, voilà, j'ai bien fait de faire ce live. Tu auras vu que c'est simple de retirer les touches de ton clavier. Donc la partie en alu, ça c'est même pas obligatoire en fait, il y a des fois les switches ils sont directement sur le fixés au PCB. Mais des fois ils sont verrouillés en fait dans une plaque en alu. Hop, et derrière il y a le contrôleur, c'est ce que j'expliquais, qui lit ce qui se passe sur la matrice des touches. Et qui balance le keycode, donc le keycode c'est le code de la touche. Et keycaps, on vient d'en parler, c'est ce qu'il y a dessus. Les touches vont aller prendre un bain avec la copine à brosse à dents. Pour être bien nickel. Alors fais gaffe parce que ça dépend si les touches sont vraiment de cette couleur là d'origine. Ou si elles ont été peintes. Si elles ont été peintes, le fait de brosser avec un truc un petit peu abrasif comme une brosse à dents. Ça va peut-être faire sauter la peinture. Donc teste sur une touche. Teste avant sur une touche que t'aimes pas trop. Tu t'en fous, qui est un peu sur le côté. Mais flotte plus brosse à dents, peut-être que ça va faire sauter la peinture si c'est pas la couleur naturelle des touches. Peut-être que c'est la couleur naturelle du plastique, si c'est peint dans la masse, c'est ok. Mais bon, si tu te retrouves avec la moitié de tes touches ont perdu leur couleur, tu vas peut-être avoir les boules. Donc teste avant.
Donc voilà, donc il explique que le contrôleur, il balance le jus dans toute la matrice. Et que derrière, quand il appuie sur un truc, et bah, il détecte, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ouais, son pinte, mais je vais pas y aller comme un bourrin. Histoire de décoller la poussière dessus. Je prendrais peut-être un microfib, peut-être, ouais. Je te le conseille. D'y aller plutôt doucement. Mais il y a un problème. Voilà, c'est les touches fantômes. Les touches fantômes. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous appuyez sur K0, enfin K0, K10 et K11, et bah la K1, et bah, vous savez pas si elle a été appuyée ou pas parce qu'il y a les deux colonnes et les deux lignes qui sont allumées. Mais donc, vous savez pas à cause de qui. Il y a les diodes qui permettent d'éviter des petits problèmes du genre. Hop, le BOM. Donc ça, c'est de quoi on a besoin. Donc pour le clavier qu'il est en train de faire, 47 switch. La plate, donc c'est le truc en métal qui est... Je vais agrandir. La plate qui est le truc en métal qui est ici. Évidemment, il faut du câble. Il faut autant de diodes qu'on a de switch. Parce qu'on a vu, il faut une diode par switch. Alors, le contrôleur. Le contrôleur, il y a des contrôleurs qui existent, qui sont tout prêts. Le Tinzi en fait partie. Il y a d'autres personnes qui utilisent un microcontrôleur et qui font le schéma eux-mêmes. Mais quand vous prototypez, typiquement ce que j'ai fait moi, ce que je vous ai montré sur la petite plaque là tout à l'heure. J'utilise du Tinzi d'ailleurs, j'utilise le même. Et qui est, je sais pas si vous connaissez Arduino ou des trucs comme ça. En gros c'est un peu le même, c'est un peu le même style. En beaucoup plus simple pour le Tinzi. Et de base, lui il gère les claviers. Donc il est programmé, enfin de base il y a ce qu'il faut pour qu'il puisse envoyer des touches. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'entrées sorties. Où est-ce qu'on peut le voir? Donc ça c'est les Tinzi. Ça c'était les Tinzi 8 bits, donc vraiment les plus petits. Ils en ont sorti d'autres depuis. Donc là voilà, on passe sur un processeur beaucoup plus puissant. On passe sur du 600 MHz pour... C'est assez rigolo. En fait de voir que maintenant, on peut avoir des processeurs à 600 MHz pour des claviers. Ah, ça fait pas que ça, hein. Le Tinzi sert pas uniquement à ça. Mais vous voyez, et ça coûte 20 balles quoi. Un truc comme ça coûte 20 balles. Donc il y a ceux où il n'y a pas les pins dessus. Il y a ceux où il y a directement les pins, donc ça c'est pratique, c'est juste inséré pour le prototypage, c'est intéressant aussi. Il me semble que c'est du 3.2 que j'ai moi. Et voilà, et vous avez le schéma derrière. Il est ouf, voilà. Ouvre-moi ça. Hop. Le zoom zoom zoom. Et donc vous voyez, hop. Il y a les différentes entrées-sorties. Donc quand vous câblez votre clavier, les lignes et les colonnes, après ça vient se mettre là-dedans. Donc vous avez les pins qui font qui sont en digital, prennent des 1 des 0, enfin qui reçoivent des 1 des 0. Typiquement c'est ce qu'on veut pour du clavier, hein. C'est où le courant passe ou le courant passe pas. Il y a les analogues, donc ça c'est pour ceux si vous voyez une plage. Donc c'est par exemple, on voulait savoir quelle est la tension, et donc vous allez avoir un gradient. Les PWM, voilà, ils permettent de gérer des impulsions. Donc typiquement ça c'est pour contrôler des LED. Donc pour gérer l'intensité. Alors une LED, en fait ça prend toujours le même voltage. Mais si vous voulez régler l'intensité d'une LED, bah vous n'avez pas de moyen en fait de baisser le voltage. Si vous baissez la tension que vous mettez dans une LED, elle va plus s'allumer. Et donc pour régler ça en fait, il y a le PWM. Et donc PWM en fait, c'est que ça envoie effectivement tout le temps la même tension. Mais par exemple, ça dit, bah la moitié du temps, tu mets 0. Et donc si vous envoyez du jus que la moitié du temps,
Et bah votre LED, vous allez avoir l'impression qu'elle est moitié moins lumineuse. Si vous mettez que 10%, et bah vous avez que 10% de la lumière. Donc le PWM sert à ça. Et vous avez voilà des trucs qui peuvent servir. Par exemple, vous pouvez faire un port série avec les entrées sorties qu'il y a quoi. Tout est câblé dans le processeur en fait qui est ici. Dans le microcontrôleur d'ailleurs. Enfin, un processeur, c'est un microcontrôleur. Et voilà. Et donc il y a d'autres. Bah, là c'est pour envoyer. Là c'est pour la masse. Là c'est pour lui donner du 3,3 volts pour que tout fonctionne et tout. Donc vous voyez là les entrées sorties finalement de 0 à 23 on en aurait que 24. Donc vous comprenez bien que un clavier sans 5 touches, si on devait pas utiliser les lignes, enfin la matrice, si on devait vraiment câbler chaque switch sur une entrée sortie du microcontrôleur, ça ne marcherait pas. Parce que on va de 0 à 23, il n'y en a que 24. Donc on peut faire max avec ce genre de contrôleur là, par exemple. On pourrait faire qu'un clavier 24 touches. Si on câblait chaque touche sur une entrée-sortie du microcontrôleur. Donc ça ne marcherait pas. D'où l'utilité. L'utilité de la matrice. Hop, et on a la version 3.5. Qui est plus grande. Ça qui prend des cartes SD et tout. C'est plus compliqué. Donc ouais, pour les premiers prototypes que j'ai fait. J'ai fait qu'un Tinsy. Après le plus simple reste que, enfin le plus simple. Le plus optimisé reste de faire soi-même son propre câblage. Mais là, voilà, ce qu'il explique. Il utilise un contrôleur. Le patch ribbon, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. De quoi on aura besoin. Ça c'est les outils dont on aura besoin pour le faire. Ah, oh, j'ai la même j'ai la même pince à dénuder maintenant, c'est trop bien. Hop, donc le premier truc qu'il fait. En fait là il prend un plank, hein, donc le plank c'est un truc qui est tout prêt. Donc il a acheté les switches, il les met dans la plaque. Voilà ce que ça donne, ça c'est la face vers le haut, et de l'autre côté ça donne ça. Là on voyait qu'il y a, on voyait peut-être pas mais, enfin, d'ailleurs je vois pas non plus super bien. C'est parce que je connais un petit peu, et donc il y a les deux connecteurs qui sont à l'arrière. Ensuite il prépare les diodes. Donc on a dit une diode par switch. Et donc il fait une petite boucle comme ça. S'il fait une boucle comme ça, c'est pour pouvoir les souder sur les connecteurs des switches. Et une fois qu'il a fait ça, donc il les a placés, vous voyez, il y a le petit tour qu'il a fait, vous voyez, hop, c'est connecté ici. Et une fois que c'est fait, bah, il les a tous soudés. Une diode par ça prend du temps hein. Mais une diode par switch, donc, hop hop hop, et donc il a tout fait. Donc là il a fait les colonnes je crois, non, coloring the diodes, ok. Non, il va faire les lignes, et donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va connecter toutes les diodes d'une ligne ensemble. Donc bah là ce qu'il a fait c'est de la soudure. Ah, vous voyez, il part du premier truc et puis hop, qui va là, 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 et ainsi de suite. Donc il a fait ça bah, pour la première ligne. Hop, pour la 2, pour la 3. Il va probablement faire ça pour la quatrième ligne aussi. Et derrière, il faut faire les colonnes. Donc pour les lignes, il a rejoint les diodes ensemble. Et pour les colonnes, ce qu'il fait, il soude directement les autres connecteurs. Vous voyez sur les switches, il y a deux connecteurs, et bien il a connecté les autres ensemble. Il a mis de la couleur, tellement bien. Est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand? Ouais. Hop, vous voyez. Donc il y a les lignes connectées ensemble.
là, là, là et là. Et les colonnes connectées ensemble. Là, 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 ainsi de suite. Alors évidemment, par exemple, il y a la touche espace qui prend deux emplacements. Et ben, il décide sur quelle colonne il va la mettre, quoi. C'est évidemment pas sur les deux. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Vous lui expliquer ce qu'il avait fait. Sur la deuxième partie, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il explique ce qu'il utilise comme matos. Il explique de quoi il a besoin. Alors, ça. Ça, ah oui, d'accord, c'est pour connecter le Tinzi. Ok. Oui, je me rappelle qu'il a utilisé ça. Et du câble. Donc là, c'est juste pour que ce soit plus simple. Pour lui, voilà, connecté. Il a soudé en fait le connect, enfin le microcontrôleur à ce truc-là. Ça connecte. Une fois que vous le serrez, ça le connecte avec tous les câbles qu'il y a là. Et donc il se retrouve avec X câbles là qui sont en sortie, qui sont connectés au microcontrôleur. Et donc après, bah, il fait sa petite tambouille pour pouvoir connecter les lignes et les colonnes. Hop. Et il a balancé tous ses câbles, hein, il les passe. Par exemple, là, ces fils-là vont connecter ces colonnes-là, je pense. Après, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des soudures. Tout simple. Paf, paf, paf. Et donc il se retrouve à la fin avec ses colonnes et ses lignes qui sont câblées et qui vont aller jusqu'au microcontrôleur. Alors il note bien évidemment à quoi correspond tel ou tel truc. Voilà. Et okay. Donc il sait que sa ligne 1 c'est le pin 23. Et c'est le port C6, ça c'est par rapport au Tinzi en fait. Hop. Il a sa liste de lignes, il a sa liste de colonnes. Et donc il a bien 12 colonnes, 4 lignes. On garde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactement ça. Et donc une fois qu'il a fait ça, et bah, il a sa matrice qui est connectée à son microcontrôleur, mais maintenant il faut savoir comment ça va être géré. Et derrière, bah, c'est comme dans tout, il y a du logiciel en fait. Donc il y a un truc assez connu dans la communauté des gens qui font des claviers, c'est le QMK. Et c'est un framework pour faire des claviers. Un framework, c'est quelque chose qui vous permet de vous assister quand vous faites du code. Et donc celui-là, en fait, il est vraiment fait pour faire... il est taillé pour faire des programmes de clavier, quoi, vraiment. Putain, je me suis trop servi. Hop. Donc il explique un petit peu, voilà. Ce qu'il a fait dans le... avec le logiciel QMK, là il déclare le nombre de lignes qu'il a sur sa matrice et le nombre de colonnes qu'il a dans sa matrice, donc il remet ce qu'il a. Il explique à quoi ça, enfin où il déconnecte sur son Tinzi. Et derrière, qu'est-ce qu'il utilise, voilà. Alors ça c'est les infos du Tinzi en fait. Donc qu'est-ce que c'est comme microcontrôleur, à quelle vitesse il va, qu'est-ce que c'est comme architecture, blablabla. Qu'est-ce qu'il veut activer dedans? Donc par exemple, il n'active pas la gestion de la souris, pas de gestion de backlight, parce qu'il n'y a pas de LED dans son truc. Hop. Ensuite, il déclare sa matrice. On dit, bah en fait, telle ligne, telle colonne, et bah, c'est ce que je vous expliquais. Telle ligne, telle colonne, et bah c'est telle touche. C'est quoi? Ça marche pas. Ça me passionne autant que les jeux. Je bosse pas plus que sur ma paperasse. Ah merde, je suis désolé. Je suis désolé. J'essaierai d'être un peu plus chiant et d'avoir des sujets moins intéressants la prochaine fois. Donc il déclare sa matrice, qui correspond
au layout qu'il avait fait. Hop hop hop. Il y a deux touches qui permettent en fait de faire des fonctionnalités en plus. Donc il y a lower et raise. Et en fait il déclare sa matrice quand cette touche là sont activées. Typiquement c'est vous avez la matrice de base, donc c'est vous avez les touches A, B, C, machin truc. Et derrière, c'est si vous appuyez sur la touche FN, ça va modifier l'intégralité du clavier. Donc c'est si vous appuyez sur FN et A, et bah faut déclarer qu'est-ce que ça fera comme fonctionnalité. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de déclarer. Donc sur le lower et raise. Donc, par exemple, il dit que quand il appuie sur la touche lower et qu'il appuie sur le A, et bah finalement ça fait un F1. Donc ça c'est le logiciel hein, qui gère ça. Derrière, il compile, il envoie vers son Kinsey, il ajoute les keycaps, et puis son truc fonctionne, quoi. Moi non plus, j'avance pas, car j'écoute régulièrement. Ah, désolé. Donc ça, c'était sa première tentative, et donc c'était avec un clavier qui existait déjà, il avait juste, globalement, qui a acheté il a acheté que la plaque du Planck, et derrière, il a fait tout le reste. Et ça, c'est son deuxième tuto. Ça fait 2 heures. Je pensais qu'on aurait eu le temps de faire plus de trucs. Bah, je vous montrerai peut-être KitKat à la fin. Donc voilà, il explique un petit peu son clavier. Qu'est-ce qu'il avait fait avant? De quoi on a besoin? Il met du lest dans celui-là. Hop. Donc il explique voilà de quoi il y a besoin, du microcontrôleur, de à quoi ça correspond, les switches, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne avec la matrice, pourquoi il y a besoin des diodes pour éviter que tout se déclenche quand vous appuyez, de quoi. Alors ouais, KitKat, voilà, je viens d'en parler, c'est le logiciel pour faire des plaques électroniques. C'est sûrement là où je vais pêcher, moi, mais bon, on va bien voir. Awesomebook comme... Ah, bah voilà. Encore un lien intéressant. Ah ouais, ça, celui-là, je me rappelle. Ah, ça va être... Ouais, c'est ouf. Je me rappelle, je l'avais pas mis dans dans les favoris, mais on va l'ajouter tout de go. Hop. Et on l'ajoute dans Do It Yourself Keyboard. Hop là. Donc voilà, il nous dit de lire le truc. Dans le logiciel, il faut forcément les schémas de ce qu'on va souder. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Blablabla. Il explique comment fonctionne le logiciel. Alors ça, c'est le schéma du microcontrôleur. 4 lignes pour un mail, 30 minutes, tout va bien. Ah, désolé. Donc, il explique qu'est-ce qu'il utilise comme microcontrôleur et quel format de microcontrôleur, parce qu'il y a différents formats aussi sur les microcontrôleurs. Il y a ceux qui ont des petites papates, donc qu'on va monter en traversant dans la plaque, sachant que ça se fait quasiment plus du traversant. Hein. Maintenant, quasiment tous les montages sont faits en montage de surface. Donc, vous savez, quand on voyait en cours de techno nos belles grosses résistances avec les pattes et qu'on faisait traverser dans la plaque et qu'on faisait tenir et après on soudait de l'autre côté. Ça globalement ça n'existe plus. Hein. Même dans l'électronique à la maison, ça se fait plus et maintenant quasiment tout est soudé en surface. Donc c'est à dire que vous posez votre composant et vous le soudez du même côté. Vous ne faites plus traverser en fait.
Les composants sont déjà beaucoup plus petits en montage de surface. Évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir les grosses patounes. Et souvent, maintenant, ça coûte moins cher. Et ça prend moins de place. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc voilà, là il explique un petit peu qu'est-ce qu'il faut en fait pour que le microcontrôleur fonctionne. Donc il faut des résistances, il faut un cristal qui va donner en fait la fréquence. Oui, pour faire une alarme de placard, exactement. Ah, je kiffais les cours de techno au collège, que de souvenirs. Bah voilà, faut savoir que maintenant la plupart des composants ils sont en surface, ils sont pas traversants. Il explique de quoi il y a besoin pour le... Ils ne font même plus du tout ça. Ah ouais ? On quoi en techno maintenant ? Alors voilà, parce que... Donc en fait, pour qu'il y ait un... Ça c'est l'électronique pure là. Là on n'est plus dans les claviers, on est dans l'électronique. Mais pour qu'un microcontrôleur fonctionne, il faut une fréquence d'horloge. Et pour ça, en fait, il a besoin d'un cristal. Il y a un effet piézoélectrique en fait, donc quand vous mettez du courant dans un cristal, il va vibrer à une certaine fréquence. Et c'est ça qui donne en fait la fréquence du micro au microcontrôleur. Faut qu'il reçoive sa fréquence d'un petit cristal. Il y a des microcontrôleurs qui intègrent directement en fait le cristal, mais souvent c'est un truc à part. Donc il explique comment le mettre en place. Le pont de capacitors. Projet imprimante 3D, beaucoup de théorie sur papier. D'accord. Et de l'informatique. Ah ok. Là il explique aussi comment il va câbler son port USB, le reset circuit. Alors ça, vous pouvez. Étant donné qu'il va falloir mettre à jour le logiciel du microcontrôleur, il faut un moyen en fait de le mettre dans un certain état pour que le microcontrôleur se dise oui ok là je vais recevoir mon logiciel. Sinon il boot en mode normal, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un reset. Donc souvent c'est un petit bouton et du coup vous le mettez dans un état particulier qui va dire c'est bon, je peux recevoir mon logiciel de contrôle. Là il explique un petit peu comment le reset va écabler, à quoi il sert. Le connecteur USB, donc il part sur de l'USB-C. Donc l'USB-C est plus compliqué par rapport à l'USB-A parce qu'il y a beaucoup plus de d'entrée-sortie. Il y a les problèmes aussi de déphasage, donc il faut que les lignes de données aient la même taille, sinon ça sera pas au même, ça arrivera pas au même moment et c'est un peu le bordel. En même temps, j'en donnerais pas un fer à souder. Ah t'imagines. Donc globalement dans le logiciel, voilà à quoi ça sert en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a là par exemple son port USB et là où ça va aller. Il y a son cristal pour donner la fréquence à son microcontrôleur qui est ici, avec les différentes entrées sorties du microcontrôleur. Le reset pour quand vous voulez réinitialiser ou mettre à jour en fait votre contrôleur. Ça je ne sais pas. Et ça c'est pour ramener du jus en fait au microcontrôleur et que ça tienne, donc c'est pour ça qu'il y a des capacitors. J'ai vu comment ça s'appelle les capacitors en français. Pour ce que la charge rapide... Attends. Pour ce que la charge rapide c'est USB-C. Hein ? Ah pas compris. Donc là, ouais, bon, il a fait des updates sur quoi faire. Donc là, il parle de la matrice. Donc, dans le logiciel, il a déjà fait tout pour ses petits composants, tout ça, pour tout pour câbler la matrice là-dessus. Donc là, il a tout ce qu'il faut pour que le clavier fonctionne. Mais derrière, bah, il faut les touches. Pardon. C'est pour ça que... La charge rapide, c'est USB-C ? Non. Enfin, non. Non. Puis en plus, non, il y a de la charge rapide sur les anciens USB, quoi. L'USB, ouais, ça te rajoute le power delivery. Et c'est pour ça qu'on peut charger des PC portables via de l'USB maintenant. Et c'est ça qui est en train de devenir la norme. Mais non,
Les autres canaux sur l'USB, c'est parce que... pour atteindre les vitesses supérieures de l'USB, en fait. On est à, 480 mégabits seconde pour de l'USB 2. L'USB 3, alors l'USB-C, c'est juste le connecteur, en fait. C'est pas la techno, mais derrière, l'USB 3, c'est que sur de l'USB-C. Et USB-C, on peut atteindre 10 gigabits seconde. Donc 20 fois la vitesse de l'USB 2, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de canaux en plus, en fait. Et en plus, l'USB-C, souvent, le format USB-C, ça peut être du Thunderbolt. Et le Thunderbolt ne transporte pas que de l'USB, le Thunderbolt peut transporter d'autres protocoles. Le Thunderbolt, par exemple, transporte du HDMI, transporte du DisplayPort, donc transporte du PCI Express. Donc c'est pour ça que tu peux avoir des équipements externes maintenant à ton PC, parce que tout passe par le format USB-C. Donc évidemment pour ça, parce que l'USB en fait c'est 4 fils, l'USB 2 c'est 4 fils, c'est le plus 5 volts, la masse, donner plus, donner moins. Clairement c'est pas suffisant. Si vous voulez transporter des protocoles plus compliqués, clairement c'est pas suffisant. Donc là, il explique en fait que il prend un interrupteur, donc ça va être son switch, un interrupteur et puis une diode. Et derrière, il va les combiner. Donc, vous voyez, là, il est en train de créer ses lignes. Donc, il fait du copier-coller. Hop, et il les connecte tous à la queue leu-leu. Donc là, il a sa première ligne. Il ajoute un nom à la ligne. Et après, il copie sa ligne. Il la met juste en dessous. Et donc, il est en train de créer des colonnes, je suis con. Enfin, ça c'est... il est en train de créer une ligne, c'est ça, oui. Il est en train de créer une ligne. Avec les différentes colonnes. C'est bon, c'est dans ma tête. Et après, derrière, il copie-colle. Donc en fait, là, il va avoir ses 12 colonnes. Ses 4 lignes. Là, il en fait plus. Là, il en fait plus sur ce truc-là. Et tout est connecté ensemble. Donc il a mis les noms, donc colonne 0 à colonne 14, donc il y en a 15 du coup. Et c'est lui. Après voilà, il fait son petit schéma de comment il va connecter. Vu qu'il y a certaines touches qui prennent deux emplacements ou plus, par exemple, on sait que l'espace, il sera connecté à la ligne 4, à la ligne 5, ça commence à 0, et à la colonne 6. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de son logiciel. Après il a note. Alors ça c'est la partie que je connais le moins en fait là. Là c'est l'utilisation du logiciel KiCad. Et c'est plus compliqué. Ah, il va carrément changer carrément changer les trucs là-dedans quoi. Dans le fichier quoi. Ensuite il crée le mieux. Enfin là. Il annote le microcontrôleur. Ensuite il connecte, vous voyez. Il connecte les lignes et les colonnes au microcontrôleur. Donc par exemple, la colonne 0 est connectée au port 28 du microcontrôleur. Hop, il va regarder s'il n'y a pas d'erreur. Il connecte le reste. Ah, les footprints. C'est une fois que vous avez tout connecté. Par exemple, là, son interrupteur, c'est juste un simple interrupteur. C'est un interrupteur tout con. Enfin, c'est le schéma d'un interrupteur. Sauf que derrière, il va vouloir faire en sorte que tout soit bien positionné sur sa plaque électronique, celle qui va être créée, et que en plus l'espacement soit le bon. Typiquement, si je reprends mon switch, hop, attendez, je me rapproche. Regardez. Vous voyez, il y a les deux pattes. Il y a les deux pattes qui vont devoir traverser le circuit. Alors quand je disais qu'il n'y a plus de traversant, c'est faux parce que par exemple ça va traverser le circuit. Regardez, il y a aussi un gros plot là en plastique et deux petits plots sur les côtés en plastique. Il faut que tout ça passe aussi dans le circuit. Donc ça veut dire que sur la plaque électronique, il va falloir qu'il y ait des trous à ces endroits précisément. Et là on est sur l'ordre, là on est sur des millimètres, hein, c'est pas des centimètres, hein, c'est des millimètres. Et derrière ma touche, mon switch,
il fait une certaine part, il fait une certaine taille. Donc on peut pas coller le switch, les switches adjacents. On va pas aller pouvoir les coller, par exemple, à 2 mm. Parce que 2 mm, ça serait pas suffisant pour la largeur du switch. Et donc, c'est pour ça qu'on a les footprints. Les footprints, en fait, ça veut dire vraiment... Bah, en fait, moi, ce que j'ai schématisé par un interrupteur, ça va être ce composant-là. Et derrière, il y a des gens, en fait, bah, qui prennent les mesures et tout pour que ça s'intègre vraiment dans le schéma électronique. Et donc là, c'est ce qu'il fait, par exemple. Il est en train de dire que bah, c'est condensateur. Ah bah c'est ça, en fait. Le capaciteur, c'est condensateur. Pour que c'est condensateur, ce sera des condensateurs de tel type. Et donc derrière, il a la footprint, et il sait que ça sera telle taille et telle taille. Hop, donc là, voilà, il est en train de dire, bah, mes diodes, c'est tel type, voilà, c'est tel footprint. Les fuses, c'est fusible, tel type, ça c'est tel autre type et tout. Donc il y a une liste qui est juste énorme en fait de footprint qui est déjà connue. Et il a juste à dire bah tel composant en fait c'est tel truc. Pareil pour les touches, il dit bah cette touche là en fait a fait telle taille et c'est de tel type. Le PCB, ça c'est vraiment la taille de la carte. Donc il donne sa taille. Il renseigne d'autres trucs. Hop, voilà. Et quand il génère, paf, ça donne ça. Parce que bah, évidemment, le logiciel il sait pas comment vous voulez les placer en fait sur votre schéma. C'est normal. Et donc là. Alors il y a différents types aussi de... différents types de... Comment dire, de layers, de couches, voilà, que vous allez vouloir mettre. Donc là ça peut être une couche par exemple de cuivre. Ah, j'ai pas tout là... toutes les infos. Mais ça sert ouais, pour faire des... pour que ça soit bien relié à la masse, des fois on fait des couches pour éviter les interférences et tout, hein, des couches de cuivre par exemple. Et donc là, bah, ce que je vous disais, donc bah là c'est le vraiment le switch avec les bonnes tailles. Donc on voit qu'il y a deux trous dedans, qui fait telle taille et tout. Donc là bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les placer. Donc il les place. Hop hop hop. Et les uns par rapport aux autres. C'est bien, mais on a bien vu que pour chaque switch, il nous faut une diode. Et bah là, pareil, il va placer ses diodes. Comme il l'a fait dans la précédent truc. Pour ce clavier-là. Hop, ouais. Bah, il y a une diode, et puis bah, chaque diode est connectée à sa voisine. Hop. Donc ça, il schématise tout ça. Et ensuite... où est-ce qu'il va placer par exemple son connecteur USB, les différents composants reliés au connecteur USB, le cristal, le microcontrôleur, où est-ce que quoi est connecté à qui. Vous voyez, par exemple, il choisit de mettre son microcontrôleur au niveau de sa barre espace. C'est là où il a de la place. Donc, est-ce qu'on va voir si on zoome un peu plus. Vous voyez, il y a le port USB qui sera à l'arrière, ce qui me paraît jusque-là logique. Port USB-C. Là, il a un petit peu de place, donc il met des composants là. Son microcontrôleur, il est au niveau de la barre espace. C'est là où il a le plus de place. Il veut que les coins soient arrondis, les coins de son PCB soient arrondis. Donc c'est pour ça que il rajoute 2-3 trucs. Hop, il rajoute ce qu'il faut. Et voilà. Ça, c'est son PCB terminé. Et derrière, il peut faire une visualisation en 3D. Parce que les petits malins
Les petits malins qui créent des composants en plus, en plus de la taille, souvent ils font des modélisations en 3D quoi. Donc voilà à quoi va ressembler finalement son PCB. Donc ça c'est juste une simulation. Hop. Alors la suite. Va falloir faire le routing. Parce que c'est bien joli. Mais là, il a son schéma électronique. Mais derrière, il a sûrement des routes qui se croisent. Et vous comprenez bien que sur l'électricité, faut pas croiser les flux, c'est comme dans Ghostbusters. Et donc là, il va falloir qu'il fasse des routes. Il va falloir qu'il fasse en sorte que tout soit bien câblé, mais qu'il n'y a rien qui se croise. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il y a deux couches. Donc en fait, il y a différentes couches. Il va dire, bah, cette couche-là, c'est tout en haut. La couche rouge, par exemple, c'est au-dessus. La couche verte, c'est en dessous. Donc là, on voit, c'est comme si on voyait en transparence. Mais ce qui fait que le vert et le rouge se croisent jamais, en fait. Parce que la rouge, elle est sur le dessus, et la verte, elle est en dessous. Donc elles ne peuvent pas se croiser. Donc il explique un petit peu. Donc il route les colonnes. Donc là c'est vraiment ce qu'il y aura sur sa platine. Sa platine sur son PCB, c'est vraiment ce qu'il y aura quoi. Ce qui est le plus compliqué, ouais, c'est de router vers le microcontrôleur, parce qu'il y a quasiment tout qui arrive ici, et donc là c'est... C'est l'endroit où tout arrive, quoi. Alors, il parle des paires différenciées, donc c'est ce que j'ai expliqué. Pour l'USB, il faut que les routes aient la même taille, sinon c'est le bordel. Après, il y a des trucs que je comprends pas forcément. Hein. Hop, les paires différenciées. Tac, tac, tac. Il continue à faire ses petites routes, là. Le cristal. Le jus, parce que bah c'est bien beau, mais faut quand même qu'il y ait du jus pour, pour que le clavier fonctionne. Donc c'est pareil, comment il route. Comment il connecte la matrice ensuite. Ça, on a parlé, il faut que la matrice soit connectée au microcontrôleur. Donc comment il fait pour faire en sorte que tout soit connecté, mais que ça soit pas que les trucs se montent pas les uns sur les autres quoi. Et ça, c'est le bouton reset. Le ISP header. Ah, ISP header, c'est s'il veut faire des tests en fait. Ok. Ouais, là, il va. Là, en fait, il va rajouter des refs pour qu'on voit sur le PCB à quoi ça correspond. Et voilà. Donc là, du coup, sur le PCB, c'est écrit. Voilà. Là, il y a tab, il y a Q, machin, un truc. Il fait un petit logo aussi, parce que pourquoi pas. Hein. voilà, quoi. Tant qu'à faire, autant mettre un petit logo. Hein. Hop. Et voilà ce que ça donnera, en fait. Alors, elle explique, justement, est-ce qu'il faut tout relier à la masse ou pas. Est-ce que c'est utile. A priori, il lui dit non. Mais tous les petits problèmes d'USB avec la synchro et compagnie, il met une ferrite, je pige rien. Ça, c'est des trucs d'électroniciens que j'ai pas. Et voilà.
fini encore pour cette partie. Hop. Et ensuite, on continue. Et donc voilà, il explique comment... c'est la partie la moins intéressante. C'est comment il convertit ce qu'il a fait en un format lisible pour les créateurs de PCB. Donc en fait, il envoie son fichier à une boîte qui va fabriquer son PCB. Et donc, elles prennent un format en particulier. Et donc, il explique comment il utilise JLCPCB. Ils sont assez connus, c'est des Chinois. Et ils sont pas chers. Et puis après, bah, qu'est-ce que ça donne, quoi. Il a reçu... il va recevoir son résultat. Donc là, c'est comment il va souder aussi. Il sélectionne tous ses composants, ils achètent. Ah mais le mec est français. Ah mais le mec est français en fait. Oh, oh. Je pourrais lui poser des questions. les diodes, qu'est-ce qu'il a acheté? Ah, et le fusible en fait. Donc c'est dès que ça dépasse les 500 mAh, quel est le maximum que l'USB peut fournir quand vous avez un périphérique normal. Donc il explique que le fusible saute. Vous voyez un peu la taille des composants. Hein. Le fusible, c'est 3 mm. 3,4 mm. C'est pas grand, hein. Il faut souder des trucs comme ça. Hein. Ça, c'est les diodes. Non, ça, c'est les résistances. Les résistances, hein, 2 mm. Et donc, faut arriver à souder des machins comme ça. Quoi. Les condos, pareil. La ferrite. Ça, c'est quoi? Le switch. Le connecteur USB. Le microcontrôleur. Et ça, je sais pas. Donc SMD, c'est les composants à monter en surface. Donc ceux qu'on soude directement sur le même côté. Et il reçoit son PCB. Donc ça c'est le truc, voilà. Vous avez vu, il avait rajouté une belle image et tout. Et bah voilà, ça a été intégré au PCB quoi. Il a choisi la couleur du PCB aussi. C'est assez ouf hein. Et tous les composants après qu'il a acheté. Donc on voit qu'il a acheté plusieurs microcontrôleurs. Et il explique un petit peu après comment il fait pour tout souder tout ça. Donc il a du matos pour la soudure. Il explique qu'il faut bien se laver les mains, qu'il faut travailler dans une pièce ventilée. Qu'il faut pas respirer la fumée de la soudure. Les outils pour souder, dessouder. Les techniques pour souder, dessouder. Et puis, bah, il explique comment il fait. Il montre un peu le résultat. Hop. Du boulot plutôt propre. Pop up. Et puis après, il se connecte dessus. A priori, il y avait un truc qui marchait pas. Il fait la programmation du clavier, donc ça on a vu dans l'article précédent qu'il faisait. Donc même chose, hein, il va définir le nombre de lignes, le nombre de colonnes, à quoi ça correspond sur le microcontrôleur. Quel est le type du contrôleur? Qu'est-ce qu'il va activer dessus? Mouse keys, d'accord. Ok, pourquoi pas.
Hop, la matrice. Il fait la compilation. Ça permet de tester ça. Ça, il y a un truc justement pour tester que le logiciel qui fait fonctionne. Donc il y a un testeur. Et derrière, après, bah là, il fait contact en fait entre les deux avant de souder ses, avant de souder tous les switches, parce que ça pourrait prendre du temps. Le logiciel dit bah vas-y, appuie sur tel truc, sur telle touche, et donc après il fait contact pour vérifier si ça marche ou pas. Et le reste, ça sera sur. Il n'a pas encore fait l'article, mais le dernier là a été publié assez récemment. Bah voilà, en décembre 2020. Donc ça reste, il n'y a pas très très longtemps. Donc il n'a pas encore fait les nouveaux articles. Codeur, sysadmin, ah bah c'est rigolo ça. Ah ça c'est rigolo. Comme quoi. Donc c'est son compte Twitter. Ok. Bah voilà. Ça ouais, alors lui c'est vraiment super technique. Je pense qu'on y reviendra quand je serai plus un peu plus dans le projet. Là c'est quelqu'un, ouais pareil, qui a un tuto sur vraiment comment faire avec le logiciel pour créer le PCB. Hop. Ça je vous l'ai montré. Ça je vous l'ai montré, ça je vous ai montré aussi. Et donc le logiciel il ressemble à ça. C'est KiCad. Et c'est ça qui permet de créer le PCB. Donc par exemple si je fais nouveau projet. On va appeler ça comment? Vous voyez tout là? Merde. Vous voyez le nom des répertoires. On va toujours l'appeler RtoBepo. Hein. Ah par contre on va enlever le... On va enlever un nouveau répertoire pour le projet, c'est ça. Hop. Ok. Voilà, et c'est là qu'on va positionner. Tu bosses enfin sur. Tu bosses sur le sujet. Oui. Coucou Adrien. Enfin, Adrien Bip. Coucou Adrien Bip. Oui, je bosse enfin sur le sujet. Ah oh bah oui vas-y balance l'accélération quoi et ça c'est quand on aura donc c'est pas là où je suis le plus à l'aise mais donc on verra voilà ouais, mais t'arrives à la fin là Adrien t'arrives à la fin Ouais, je pensais qu'on va... Alors, le projet, donc du coup, c'est vraiment de faire un clavier orthogonal à Beppo. Mais je pense que commencer sur un gros clavier 12 millions d'heures de touches... La fin sur la partie clavier, je pense que je vais aller me faire un petit coup de jeu juste derrière. N'aie crainte. Et donc ouais faire un gros clavier comme ça là comme pour un premier test je pense que c'est suicidaire. Et qu'est-ce que j'ai là d'ailleurs? Ah ouais alors ça c'est ça, ce matos là c'est pour avoir des switches qui sont remplaçables à chaud. Donc c'est pas besoin de soudure en fait pour les switches, c'est vous souder ces composants là. Et derrière, après, les switches viennent s'enclencher dessus. Et assez pratique. Donc j'avais pensé à ça aussi. Et donc le... Oui, il fait un 3 touches. Putain, le mec, il spoil avant. Alors un 3 touches, je crois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Sunshine, ça y est, ça commence à chouiner pour les jeux, quoi. Mais peut-être du Sunshine, ouais. Ça me tente bien. Et donc... Genre un Stream Deck, exactement. Je pense que je vais partir sur un clavier 9 touches. Ou peut-être un peu plus. Je sais pas. En même temps,
Les Switch, alors j'ai ce sachet là, mais il n'y en a pas des masses. Mais c'est, ceux-là, ils sont clicky. Les Switch, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc je peux me faire un clavier avec, avec pas mal de touches. Donc ouais, je pense que je vais commencer par un, je vais commencer par un clavier avec peu de touches. Donc genre 9 ou peut-être je sais pas 12. Ça ferait du 4x3. Histoire de voir si ça fonctionne, si dans la théorie j'arrive à me démerder pas trop mal. Si j'arrive à souder les trucs, si ça fonctionne. Et je le faire avec le Tinsy. Donc je vous ai montré le Tinsy tout à l'heure. Le faire avec le Tinsy pour pas avoir toutes les emmerdes de faut que je crée un microcontrôleur et faut que. Combien le kit que t'as là c'est pas un kit. Et puis je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. C'est pas un kit en fait, j'ai acheté des touches quoi. Donc ah, le kit en soudure. Non mais enfin faut souder les trucs hein, quand même. Non mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. Hop. Ah non, parce qu'après pour la soudure, je vais vous montrer ça. En fait, c'est des petits composants comme ça. Alors je sais pas si ça va faire la mise au point ou pas. Ça va pas, sûrement pas faire la mise au point. Donc en fait, c'est ça que tu soudes sur le PCB. Et derrière, en fait, tes switches de clavier. Tes switches de clavier, t'as juste à les insérer en fait. C'est, tu les clipses. Et ils sont dedans quoi. Et donc ce qui permet de... Ah, les modules pour hot-swap les switch, nice. Ah, ben je vois. je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Salut, Valnir. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Et merci pour le follow. Tu es venu spécialement... La question, comment es-tu arrivé ici? Merci beaucoup pour le follow, ça me fait plaisir. Mais comment es-tu arrivé ici? Par quelle magie es-tu arrivé sur ce stream? Parce que bon, des mecs qui parlent de clavier homemade sur Twitch, c'est pas monnaie courante quoi. Et donc oui, je vais sûrement faire un petit projet avec 9 ou 12 touches pour voir si ça marche. Qui me servira pour le stream du coup? Parce que je pourrais faire un clavier qui balance des genres CTRL, ALT, F12. Et qui pourra me servir pour switcher les chaînes sur OBS. Et si ça marche, après on verra pour le clavier orthogonal. Le clavier orthogonal linéaire low profile. Bah, je traîne souvent sur RMK. Et là, on fabrique un clavier, donc j'ai été curieux. Et bah voilà. Donc j'en suis... J'y connais rien. Hein. je te précise tout de suite. J'y connais que dalle. Mais ça m'intéresse. Et enfin bon, j'y connais que dalle. Si, j'ai quand même du matos du coup. Parce qu'il y a 2-3 ans, ça m'avait intéressé. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai les bases, mais derrière la mise en œuvre, ça a resté que du prototypage pour l'instant quoi. Désolé pour les questions tardives, le driver, c'est du standard. Il n'y a pas de driver. Il y a le firmware. Il y aura le firmware du clavier à faire. Donc c'est ce que dit Valnir en fait, il y a des frameworks en fait qui te permettent de simplifier la création de firmware pour les claviers. Mais c'est là sur quoi ils traînent. Ah non, Reddit, mais Kaelin Call Keyboard, d'accord. Ouais, QMK. Ah j'ai cru que... Ouais d'accord, non ok. Non c'est Reddit Mechanical Keyboard dont tu parlais. Ok, et firmware from scratch ou QMK QMK probablement, ou pas. Moi je suis à l'aise pas mal avec le Python et sur le prototype que j'avais fait avec le Tinsy, j'utilisais
J'utilisais, comment ça s'appelle? C'est le framework Python pour les microcontrôleurs. Merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et donc j'avais fait mon propre firmware sans utiliser QMK. Enfin, la série des QMK, parce qu'il y en a un paquet. J'avais fait mon propre firmware en fait en Python. Et ça marchait bien. Mais c'était pour le prototypage quoi, donc après, est-ce que... Il y a des fonctionnalités en Python que je sais pas, enfin... QM... Ouais. Ah, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, hein. Enfin en même temps, micro Python exactement, merci Adrien. J'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Et bah, ça se voit sur ma chaîne, la barre de statut là, c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est moi qui ai codé tout pour... et je tape sur l'API Twitch directement et tout. Donc j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, donc QMK me simplifie un peu trop les choses. Et du coup j'ai bien envie d'être un peu plus proche en fait de ce qui se passe et d'utiliser MicroPython pour le faire. On verra après si vraiment c'est trop compliqué, si ça fait trop chier, je passerai sur du QMK qui est vachement bien fait quand même. Donc voilà, ouais, qu'est-ce que je voulais montrer, je reviens deux secondes et je montre. Donc oui, le but c'est de faire un petit projet de clavier style Stream Deck. Et si ça marche, passer à la vitesse au-dessus et de faire vraiment un clavier qui... Bah ouais, vous étiez pas là au tout début. J'ai un Type Matrix. Paf paf. Il est où? J'ai un Type Matrix. Merde. C'est pas la bonne scène. Voilà, petit Type Matrix en Bepo. Donc c'est ce que j'expliquais au tout début. Donc j'ai envie de remplacer ça par un mécanique et en low profile. Parce que je trouve que le mécanique, pas low profile, c'est un peu gros en fait. Pour moi, là, je suis habitué à mon Type Matrix qui est assez fin. Et si c'est du gros mécanique avec des grosses touches, ça va me... J'ai pas envie quoi. J'avais montré tout à l'heure. On est où? Hop. Ouais. Il y a les Cool Masters qui me... C'est con parce qu'ils sont pas... C'est con parce qu'ils sont pas orthogonaux. Mais ceux-là, voilà, dans l'idée, j'aimerais bien un design un peu dans ce genre-là, quoi. J'avoue que j'y connais rien du tout électronique. Mais créer un clavier, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voulais faire un proto en Python, mais j'ai toujours pas commander le matos. Si tu veux vraiment faire un truc rapide, proto en Rust, pardon. Bah, un peu la même chose. Si tu veux faire un clavier de manière simple, alors je sais pas si tu t'es renseigné, mais regarde du côté des Tinzy pour le contrôleur. Et alors, bah, que du coup t'as pas vu, mais moi ce que j'avais commandé c'était ça. Hop, j'avais commandé un testeur de switch. Donc c'est juste, voilà, plusieurs switch, c'est des Cherry MX. Hein. J'avais utilisé ça, et donc je les ai câblés. C'est des switches qui fonctionnent quoi. Et des touches avec des écrans. Ah non mais déconne pas toi, l'écran OLED. je veux que ça me coûte 10 balles, hein. Je veux pas que ça me coûte 100€ et que ça marche pas. Puis derrière après il y a toute la gestion de l'écran et tout. Non, ce sera juste des touches avec des... En fait des bonnes vieilles touches avec dessus marqué scène 1, scène 2, scène 3, ça marche nickel. Hein. Plutôt qu'un écran qui te bouffe un jus démentiel. Et évidemment tu peux mettre des petits trucs qui brillent, mais juste moi une touche avec marqué scène 1, scène 2, ça sera juste parfait. Et donc ouais, pour le prototypage, ce que j'avais fait, donc c'est j'ai utilisé le... J'avais regardé, ouais, mais quand j'avais regardé c'était relou au niveau de QMK. Et c'est du micro USB, ouais. Ah tu parles du Cooler Master. Et donc voilà, j'ai utilisé le testeur de switch, paf paf, donc j'en ai plusieurs, hein. J'ai... Il y a du clicky. Ah, les Tinzy. Ah, Tinzy avec le... avec QMK, c'était... d'accord. Et du micro USB, ouais. Ouais. Et après, pour du prototypage, c'est cool, quoi. Moi, je sais que les Tinzy, ça marchait bien avec micro Python, donc c'est pour ça que j'avais utilisé. Et donc, j'ai ça. Qui est la partie clavier, donc avec mes lignes et mes colonnes. Vous voyez, j'ai juste câblé les lignes et les colonnes, donc c'est pour ça qu'il y en a 6. Donc j'ai 9 touches. J'ai 9 touches, mais j'ai 3 lignes, 3 colonnes.
et derrière avec du backlight, attention hein. Et derrière j'ai ma plaque avec mon Tinsy dessus et mes LED. Et donc tout ça a été géré par mon petit programme avec MicroPython quoi. Non, on peut pas envoyer de lien. Il faudrait que tu sois tu fais un loop deck avec un driver Linux. Mais de quoi il parle? De quoi il parle lui? Zoom sur ta cam, on voit pas. Ah bah oui. Hop. Désolé. Bah oui, évident. Hop, voyez. Le microcontrôleur, donc le Tinsy. Hop. Et avec les LED. Tout est là. Donc ça, ça fonctionnait en fait. Mais il y a super longtemps. Là, je pense que si je le branche, ça marchera pas. J'avais fait des tests à la fin. Et, un peu foireux. Et hop. Et donc... là, c'est mes switch. Vas-y, fais... mise au point. Mise au point. Voilà. Donc, on voit bien les diodes. On voit bien le câblage des lignes et des colonnes. Et c'est des... petit essor de switch tout con, quoi. Que j'avais acheté que dalle. J'avais acheté ça que dalle. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça, mais... je vais essayer de refaire ça, mais en mieux. Pour me faire un petit que ça me fasse un petit stream deck, va voir Loop Deck. Alors, on va regarder ça ensemble. J'espère que c'est pas un truc dégueulasse hein. Parce que là je vais regarder avec tout le monde hein. Hop, Loop Deck. Non mais le mec il part directement. Hein? Attends. Et c'est Loop L-O-U-P ou c'est ça en fait dont tu me parles ou ah, c'est vraiment le truc LOUP là, le truc à 500 balles. Tu me parles de ça, toi? Eh ben écoute, ça me va. Faisable. Par contre, je vais peut-être revoir mes tarifs de prestation. Non mais mec, t'es ouf. Non mais genre tu crois que je vais faire ça? Il y a des potards. Il y a des potards, il y a un écran. Non, moi je veux un truc simple. Je veux un truc simple et que je puisse faire moi-même. Je veux pas acheter un truc à 500 balles. Sinon, le titre... le titre du stream, ça serait... je fais un achat, regardez-moi acheter le truc. Je l'attendais. voilà, donc non, le but c'est aussi de faire de l'électronique et puis de faire de la soudure, tout ça. Ah oui, je voulais montrer ça aussi. Hop. Et donc voilà. Ça sera ce qui me servira pour la soudure. Une belle petite station de soudage avec le fer à souder. Il est ouf, merde, je suis là. Le fer à souder et puis l'air chaud quoi. Faut prendre une Go XLR. Ah oui, trop bien. Ah oui, c'est bien les Go XLR. Ah, je m'entends pas, j'ai pas le casque, je m'entends pas, ça me fait bizarre maintenant. J'ai tellement l'habitude d'avoir le retour de mon son maintenant, quand je l'ai pas, c'est un peu relou. Mais donc j'ai une belle station de soudage pour faire ça bien et beau et propre.
Ah mais sinon, sinon Adrien, je t'invite à refaire ça, à refaire le truc avec l'écran et tout. Vas-y, hein, vas-y, par devant, je te rejoins. Faut allumer les lumières chez toi avant que le fond vert parte en cacahuète, effectivement. Bien vu Blacky, heureusement que tu es là. Merci à toi. Mais en grand ton écran. Regardez. C'est beau, hein. Ça fait un an que j'attends son clavier. Et c'est pas qu'il va m'en faire un. Quoi? Je pige rien. Donc oui, non, non, mais ce projet de clavier, ça fait longtemps. J'avais pas... ça fait longtemps que j'ai ça... ça hein. J'ai acheté des ESP32, je suis chaud. Ouais, bah vas-y, mais fais quelque chose avec maintenant. Ah, mais je sais, j'ai vu les débuts du Play Clavier Maison 9. Ça remonte, mais ouais, non, non, ça remonte super loin. Ça remonte super loin, ça marchait. Mais après, bah ouais, j'ai eu moins le temps, quoi. J'ai eu moins le temps, j'ai eu moins envie, bon. Mais si, il peut pas y stream tout le temps, c'est aussi l'intérêt, en fait, de faire ça en stream, c'est parce que, vu que je stream tout le temps, et bah, comme ça, au moins, je vais le faire pendant le stream, et ça peut intéresser des gens, bah, voilà. Preuve en est, Vaelnir arrive aujourd'hui, quoi, donc c'est, je suis plutôt content. C'est cool, si ça peut intéresser les gens, et si on peut avancer ensemble, c'est sympa, si on peut se filer, enfin, si ça intéresse d'autres gens, et si on peut faire les trucs ensemble, et bah, ça sera parfait. Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour YouTube. Bisous YouTube. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Personne ne tiendra jusqu'à là. Mais merci quand même. À la prochaine.